Encore un grand moment de cosplay. Alors, est-ce que ça fonctionne? Sur mon PC, ça n'a pas l'air de marcher. C'est pour ça que faut quand même que je vérifie que tout va bien. Je vois... Oh! Je vois mon Dieudonné qu'il a. Marcus va pointer en retard. Mais pas du tout. Il est 32. Ah, mais si, voilà. Ah, oui, ça y est, j'arrive. J'arrive, les amis. J'ai juste, moi, pas le retour de la chaîne, ce qui est bizarre. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça va être mieux. Ça va être mieux. Je vérifie que tout est là. Kiba est là, en tout cas, tout va bien. La petite famille Geek est là. Alia André, toute la famille est là. Ah, et je vois ma grosse tête d'animal. On sait même pas ce que c'est. À l'antenne. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne. Je sais pas pourquoi Twitch veut me proposer des trucs dont j'ai pas grand-chose à faire. Mais ça va aller. Salut les amis, bonjour Géraison et Elviator, salut French Ginger, salut Eryxis, salut mon petit Antoine, mon petit gamer digital. Bienvenue à bord les amis, le Mad Squirrel est là. J'ai vu que... Ah mais ça y est, tous les habitués, Lilith est là. Captain Luffy, Tigra, Elfina, les secrétaires sont là pour un jeu qui va se passer dans un bureau, c'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait exactement. Avec l'ami Timursan et le Dindinx qui sont là pour me soutenir comme chaque jeudi soir. Merci les amis d'être là, c'est cool. À chaque fois on se marre bien. Et là, je pense qu'on va vraiment rigoler. C'est un jeu d'aventure très comme on aime quoi, vraiment drôle, bien foutu, avec des petites énigmes rigolotes. J'ai très peu joué, donc je vais compter sur vous pour m'aider à résoudre les énigmes qui sont parfois pas faciles pour ce que j'ai pu voir. J'espère qu'on va arriver à avancer ensemble. Ça va être assez cool. Ça fait bizarre de te voir avec des lunettes. Eh oui, XS69. Je les mets jamais en fait. C'est mes vraies lunettes. C'est pas du coup, c'est pas un cosplay. C'est des vraies lunettes de vue pour voir loin. Je les utilise de temps en temps quand il y a des trucs petits sur le vidéoprojecteur. Simplement, je trouve que plus je les mets, plus j'ai du mal à voir quand je les retire. Donc je les mets pas. C'est un peu con peut-être, mais voilà, du coup je les mets jamais, quasiment jamais. Voilà, de temps en temps, vraiment quand je sais qu'il y a des trucs gris-petits à l'écran, je les mets quand vous n'êtes pas là en général. C'est la première fois que je les porte pendant un stream. Et elles sont pas terribles en fait. Je pense que le fait que le fiston m'ait foutu, vous savez qu'il y a quelques mois, mon fiston m'a arraché la cornée, il m'a griffé l'œil en fait. Il a mis ses deux doigts dans mes yeux comme ça. Et il m'a arraché la cornée de l'œil droit et depuis je crois que j'ai vraiment perdu un bon niveau de vision. J'ai parfois même du mal à lire le journal ou des trucs comme ça. Mon cher Canard PC, l'autre jour j'étais en train de lutter pour lire Canard PC. Faut vraiment qu'il y ait bien une belle lumière et tout ça pour que je sois pas trop fatigué pour arriver à lire. Maintenant, ah, c'est l'âge les amis, c'est l'âge. Mais du coup ça me fait un bon cosplay parce que le héros du jeu, vous allez voir, exactement comme moi, pour une fois que je réussis un cosplay, là franchement c'est impressionnant. Je suis pas loin du vrai personnage, j'en suis très très fier. On appelle ça la vieillerie, tout à fait, mon Timerson. C'est comme ça que ça s'appelle donc. Tu te mets le doigt dans l'œil, Marcus. Oui, mon Florisseau, je demande à mon fils de le faire pour moi. Ça évite, comme ça je me fatigue moins, je fais tout moi-même. C'est assez classe. Par contre, j'ai des petites poussières dans le nez, je suis désolé, je vais me gratter le nez un petit peu, mais je suis sorti tout à l'heure. Donc j'allais faire des courses et j'ai mis mon masque, pas le cosplay, le masque anti-Covid. Et le problème c'est que la dernière fois que j'avais mis, c'était pour aller chez le coiffeur. Et il m'a coupé les cheveux avec le masque et tous les petits cheveux sont allés se fourrer dans le masque. Et du coup, chaque fois que je mets ce masque, je me retrouve avec des petits cheveux dans les narines. C'est très irritant, ça me fait éternuer, du coup c'est très bien, j'ai un rayon de 10 mètres autour de moi, les gens me fuient. C'est juste parfait. Voilà. Et pourtant, je l'ai lavé, mais les petits cheveux sont toujours. Voilà, vous savez tout de ma vie, les amis. Oh, Nervous Guy Prod, mon Ben est là. Tu viens pas souvent, mais quand tu viens, c'est de la qualité. Tout à fait, French Ginger. Ah, bah, j'espère qu'il va bien. Qu'il va bien. Mon petit bonhomme, j'espère que ça va lui aussi, là, un fiston. Comment dire? Qui l'éduque dans la geekerie la plus intense. C'est classe. Donc, bah, gros bisous à la petite famille, j'en profite Ben. Milly Zoli, quel joli petit pseudo. Je vais te nominer pour le meilleur pseudo, Milly. En plus, je pense que tu es nouvelle puisque j'avais jamais vu ton pseudo. Donc je rappelle les principes de notre petit stream. Je fais gagner chaque jeudi soir au meilleur pseudo, peut-être toi, un petit cahier d'écolier. Là en ce moment, j'ai retrouvé ça dans mes archives. Un petit cahier d'écolier Game One avec la tête à Julien dessus, en forme de Game Boy évidemment, vous avez reconnu. Voilà, vous pourrez noter tout ce que vous voulez dedans.
Je lui dédicacerai évidemment, ça serait pour le meilleur pseudo. Et comme on est au bureau, là, j'ai préparé un peu de paperasse pour ce soir. C'est les perles de sagesse geek de nos amis de Geek Me More, qui est vraiment un petit bouquin sympa, presque philosophique, c'est assez étonnant. Il y a des citations de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, de plein de trucs. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, ça, ce sera pour la meilleure vanne ce soir, histoire d'augmenter le niveau un petit peu. Ça va être plutôt cool ce soir. Je pense qu'on va bien rigoler, ça va être bien. Puis je suis content de vous retrouver, enfin, en live et en vrai, parce que la dernière fois c'était de la VR et on s'est pas vu. Et voilà. Et oui, Predamec a raison, ce soir à 22h, c'était dans pas longtemps, il y a la conférence de presse de Sony qui remplace un peu ce qu'ils auraient dû faire à l'E3. Et je vais rater ça parce que je serai avec vous, donc c'est faut vraiment que je vous aime pour rater un truc hyper important, mais bon, c'est pas très grave de le voir en live, on pourra bien le voir 2 heures après, après le live j'irai voir. Voilà, et puis si vous avez envie d'aller voir, vous préférez aller voir les super jeux de la future génération de consoles sur PlayStation 5, je ne vous en voudrais pas, vous nous abandonnerez lâchement au bureau, mais je ne vous en voudrais pas, vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Voilà, en tout cas, moi je reste avec vous, je passe la soirée avec vous comme tous les jeudis soirs. J'avais pas trop envie de décaler, je me dis, on a pris cette petite habitude. La semaine prochaine d'ailleurs, on pourra enfin faire Last of Us 2. Je suis pas loin de la fin là, je l'ai presque terminé. Les tests vont être publiés à partir de demain. Vous pourrez avoir le mien chez Micromania. J'ai fait une petite vidéo pour Micromania. J'explique ce que j'ai ressenti avec ce jeu, qui est vraiment un jeu très très fort. Et voilà, et vous verrez des vidéos qui sont les vidéos fournies par Sony. On n'a pas le droit d'utiliser nos propres vidéos pour le moment. Ça, il faudra attendre le 18 juin pour pouvoir avoir ça. Mais déjà, vous pourrez avoir les avis de tous les journalistes, même si vraiment ils ont tout verrouillé Sony. Vous pouvez utiliser jusqu'ici que les images qu'ils ont fournies eux. Ce qui n'est pas très grave parce que de toute façon le jeu est beau, donc voilà. Mais ce sera un petit détail, genre les visages des persos sont pas si réussis que ça, je trouve. Dans les cinématiques, ça va, mais dans le gameplay, c'est moins bien. Et si j'avais pu filmer moi-même, j'aurais vraiment filmé les visages pour montrer que c'était pas encore tout à fait... Ça reste un grand jeu quand même, mais voilà. Voilà, bon, vous verrez ça demain, les amis. Je spoil rien du tout aujourd'hui. Je préfère voir les jeux tout pourris de Tonton Marcus Geek River. S'il a bien raison, je pense qu'on va vraiment bien se marrer. Vous allez voir, il est complètement barré. Je suis tombé dessus par hasard. J'ai vu la bande-annonce sur le PlayStation Network. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les personnages ont tous des costumes ridicules comme le mien. C'est vraiment très, très curieux. Ah, qui se met sera... Ah, une bonne idée, il va faire un double écran. D'un côté, il y aura la conférence PlayStation et de l'autre, on ira au bureau, les amis. Très bien, bah vous me tiendrez au courant. Salut Alex, tu fais que passer. Bah, c'est gentil de passer déjà. Merci Alex. Alex, je vous rappelle qu'il nous a sauvé la vie pendant tout le confinement, puisque c'est grâce à Alex que j'ai pu vous offrir des cadeaux. La poste fonctionnait pas, je pouvais pas aller à la poste. Et donc Alex tirait le portrait en mode kawaii, comme elle sait si bien le faire, des gagnants du meilleur pseudo. Donc merci Alex pour tout ça. Voilà, vous pouvez retrouver Alex sur son site Alex Kawaii, regardez sur Twitter, suivez-la. Moi j'adore ce qu'elle fait. Elle fait des dessins de chibi super. Elle fait des masques, si vous avez envie en ce moment. Elle fait un peu de couture, donc elle coud des masques un peu geek. Très sympa ce qu'elle fait. Voilà. Et comme il n'y a plus de salon en ce moment, comme on ne peut plus la voir en vrai sur les salons, eh ben, suivez-la sur Twitter, encouragez-la. Vous pouvez leur lui commander des dessins aussi d'ailleurs. Moi j'adore ce qu'elle fait, vraiment. Donc voilà. Petite pub au passage pour les amis. Juste en parlant d'amis, vous avez vu que juste avant moi, on a hosté Joyce, ma photographe, que vous voyez sur tous les salons, qui se lance dans le Twitch game, dans le stream, et ça fait bien plaisir. Donc on l'a hosté avec grand plaisir. Du coup, je suis désolé de reprendre mon trône en attendant, mais voilà, on continuera à booster Joyce et tous les amis, je pense à Lisa, la Geek en Rose, Fred of the Dead, voilà, mon Timursan qui stream aussi de temps en temps, le Dindinx qui montre l'avancée des travaux sur le jeu vidéo NES de l'Intrépide en live avec vous, ça aussi c'est intéressant à voir. Voilà, on a plein d'amis qui stream et on vous les recommande quand on n'est pas là. Voilà, comme je suis pas là à 90% du temps, ça fait du monde à hoster, c'est plutôt cool. Bon allez, eh ben on va commencer parce que quand même ce jeu est vraiment rigolo. On va reprendre depuis le début, tant pis, j'écrase un peu ma sauvegarde. Mais regardez, j'adore ce style, un peu années 50, un peu soviétique. C'était une journée des plus banales. C'est tout en français, mais il n'y a pas de dialogue, donc c'est bien, c'est pas très fatigant à traduire. Et je trouve ce jeu très malin. C'est quoi le but du jeu? Bah, on s'emmerde au bureau et il y a une petite lueur rouge, un petit truc un peu bizarre qui va passer devant nous.
Et on va, tu vois, regarder, tu vois, le travail de bureau consiste à appuyer sur la touche rafraîchir, je pense. Et voilà, il s'ennuie. Et tout est en noir et blanc et sépia. Et il y a juste une toute petite touche de couleur. Alors voilà, j'ai le curseur qui se dirige. Alors normalement, c'est un jeu qui est prévu pour les écrans tactiles ou le PC. Ça se joue à la souris. Et donc, on galère un peu à. C'est pas très précis le stick analogique et on peut pas régler la sensibilité. C'est un peu dommage parce que des fois, on galère. Alors regardez, dans cette petite touche de couleur, dans cette petite fleur, il y avait cette toute petite tache de couleur qui vient d'apparaître. Donc, je vais essayer de l'attraper. Voilà, c'est moi. Vous avez vu que je ressemble énormément au personnage. Si je prends un petit air blasé comme lui, ça marche. Alors voilà, il regarde à droite, à gauche. Vous voyez que ses camarades sont habillés en banane, en hippopotame. Lui, je sais pas. Je dirais marsupilami, mais je suis même pas sûr. Et là, il voit ce Où truc. est-ce qu'il C'est va? quand même bizarre. Allez, ah! Oui! Non, 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 non. Il faut travailler, monsieur. Bon, bah là, il va falloir trouver une solution pour travailler sans que. Vous avez doué à boum boum! Ah, alors lui, mais regarde, machin, il est amoureux de toi! Et voilà, ça a l'air la pire diversion de toute l'histoire des diversions. Regardez, les amis, cette petite tache rouge, on va essayer de l'attraper, on va la poursuivre en fait toute la journée. Ça va égayer notre journée. Ah, la voilà qui allait dans l'aquarium. Donc, alors évidemment, moi je vais diriger le jeu. Si vous avez des suggestions, j'écoute. Trop mignon, on est d'accord, Minizoli. Hein, c'est vraiment très chou, très chou. J'adore, regardez, il est pas rasé. Je me suis pas rasé exprès pour être raccord. Je pense pas que ça se voit avec la caméra. Donc, je peux pas l'attraper, mais je peux peut-être me verser un petit gobelet. Non, ça n'a pas marché. Alors, je vais prendre un gobelet. Voilà, et je vais verser. Ah, voilà, le petit truc rouge est dans le gobelet. Oh mince. Il s'est échappé. Bon, alors des temps de chargement pour ça, c'est quand même scandaleux. Mais bon, c'est pas. On leur en veut pas, on n'est pas à ça près. Parce qu'ils sont généreux pour plein d'autres choses. Notamment, vous avez vu qu'il y avait une très belle raie des fesses. Et bah, on va aller s'en occuper. Alors, c'est l'anniversaire de quelqu'un, visiblement. Alors, j'adore les musiques. Écoutez ça. Très paisible. Je mets un petit coup là, Pinata, au passage. Voilà, et j'adore le mec un peu bedonnant. Regardez le petit regard qu'il nous jette. Il réajuste ses lunettes. On dirait François Hollande, mais tellement. L'arrêt du plombier, oui, on vient de l'avoir. Je vais aller à côté. Bon, voilà, la pinata, je peux juste lui mettre un petit coup. Hein, voilà. Donc, dès qu'on peut faire quelque chose, le curseur se transforme en doigt. Donc là, on voit que c'est quelque chose à faire avec ses ballons. Le héros me ressemble, dit Dindax. Non, il fait plus François Hollande, je ne suis pas d'accord. Alors, regardez l'arrêt du plombier, là, voilà. Happy birthday, ah, bravo. Mes bourses sur ton nez. Je vais évidemment nominer mes bourses sur ton nez pour ce très beau pseudo. Alors regardez, je me cache derrière le mec qui est en train de réparer la photocopieuse. Et là, il y a mon patron. Alors on va essayer de passer. Puisque le petit truc rouge est là. Ouais, non, on m'envoie travailler. Alors ça va pas du tout. Alors il va falloir que je trouve quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette raie des fesses? Non, je peux prendre un marteau. Mais il m'a vu. C'est dommage. Ok, donc pas question de prendre. J'en réessaye quand même. Tu pourras me host un jour, s'il te plaît, Marcus. Bah oui, André, pourquoi pas, bien sûr. Oui, c'est vrai que tu streams toi aussi. Ok, on va vérifier ça avec, avec le Timursan. On va trouver ta chaîne. C'est le nom de ton pseudo, j'imagine, ta chaîne. Faut que j'aille voir. J'ai jamais regardé, je t'avoue. Alors, je sais pas ce que tu fais. Je suis sûr que c'est bien. Alors, est-ce que je peux débrancher la prise ou prendre ce balai? Je prends ce balai, voilà, il apparaît dans l'inventaire, on sait pas où il est dans son costume. Je trouve ça assez drôle. Ici, nous avons une alarme incendie, qui pour le moment est inutile. La petite corbeille n'existe pas, on peut aller à côté. Alors, je peux peut-être taper avec le balai sur la pinata. Mais oui. Il faut insérer une pièce dans la fente. Oui, mais on n'a pas de pièce. Oh, regardez, des petits confettis et un petit marteau en plastique. Eh ben, je propose qu'on aille l'échanger. C'est Red Charles, ah oui, qui crie vers ça. Ah oui, je voulais vous dire, il y a une, quand j'ai annoncé que j'allais jouer à Office Quest, il y a Vince qui a demandé si il y aurait cette fois encore des réponses, des vannes qui seraient nominées d'Office. The Office Quest, nominé d'Office, très drôle. Donc j'ai répondu, bah oui, on va déjà nominer celle-là. Donc déjà, avant même qu'il y ait eu des vannes, Vince avait déjà fait une vanne sur le tweet de lancement, ce qui est très bien. Donc Vince est nominé, je le rappelle à Dindax, mais Dindax a tout de suite capté le truc, il a fait des heures sup. Regardez, j'ai échangé le marteau. Voilà, et du coup j'ai récupéré un marteau.
Mais le mec, c'est toi dans le jeu. Mais tout à fait, Ragnarok Kravenson, mon gars. Mais c'est dingue. C'est... Bah, on a le même physique. Hein. J'ai... Comme on dit c'est souvent, j'ai un corps de dieu. Mais c'est Bouddha. Voilà, bah, moi, c'est ça. Alors là, voilà, j'ai réussi à péter le truc de l'alarme incendie. Donc, on doit pouvoir la déclencher. Ah, voilà. Ça fait fuir le boss. Qui, lui, a un costume de sanglier ou je sais pas quoi. Ah, il m'a vu. Ah, ça va pas. Alors... Ah, puis je suis carrément carrément mort. Alors, je dois pouvoir essayer et aller me cacher derrière. Il faut que j'aille me cacher derrière ça, peut-être. Voilà, comme ça, il ne me verra pas. Et hop. Alors là, c'est carrément... C'est Solid Snake, quoi. Pendant qu'il va réparer et se sécher les cheveux parce qu'il a été mouillé. Je peux passer à côté. Oh là là. Incroyable. Un corps de dieu grec, tout à fait. Marcus, ça marche aussi. Ah, from Chicago, Fridokun, tu es de Chicago, incroyable. Je suis déjà allé à Chicago, très belle ville. J'ai beaucoup aimé, je suis resté malheureusement que 2 jours. C'était pour une conférence de presse. Alors, il veut descendre l'escalier, il n'a pas envie de descendre l'escalier. Non, il est fatigué, c'est trop drôle. On va prendre l'ascenseur alors. Une très belle ville de Chicago, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un grand parc là, au bord du lac, qui est vraiment... magnifique, avec des œuvres d'art, c'est super cet endroit. C'est beaucoup, mais c'est une ville préférée aux États-Unis. Ah, voilà autre chose. L'ascenseur est en panne. J'adore sa façon de remonter, vous avez vu. C'est très drôle. Alors, bon bah... Alors voilà. Il va falloir qu'on répare, les amis. Que faire? Alors combien... voilà, je me demandais 11 euros, 12 euros, voilà, c'est ça. Il coûte pas très cher, ce petit jeu. Et vous pouvez l'avoir sur un écran tactile aussi, je crois. Il va falloir relier les fils. Je ne sais pas comment, mais on va bien trouver. Donc là, par exemple, c'est nuage. Ah oui, à chaque fois que j'appuie, ça change de truc. Ici, œuf, clé, bonhomme, nuage, etc. Donc voilà, donc j'imagine qu'il faut que ça soit raccord avec ce qu'il y a à droite. Une vraie feignasse, ce perso comme moi. Ah oui, on est d'accord. Le fil blanc sur le bouton blanc. Oui, on a l'impression de désamorcer une bombe, les amis. Demande à Clo-Clo l'électricien. Je vais nominer Ray du plombier, moi, les vannes sur Claude François, ça me fait toujours rire. Alors, par exemple, en haut, ce fil noir, il finit par arriver ici. C'est le troisième, et le troisième truc, je dirais que c'est la lune. D'accord, premier fil, ce serait le cadenas. Deuxième fil, la pluie. Troisième fil, la lune. Alors, qu'est-ce qui va avec la lune? Le bonhomme, non, l'étoile. La lune, les étoiles, c'est pas mal. Les nuages, peut-être. Je vais mettre étoile. Deuxième câble, c'est la pluie, et il arrive ici. La pluie, bah nuage, là c'est logique. Troisième câble, c'est la lune, je l'ai déjà fait. J'ai pas fait le premier câble. Le premier câble, et bah c'est une clé, c'est très bien, puisqu'il y a une serrure. Le quatrième câble, ça devient confus, mais il y a nuage. Mais c'est une petite fille, donc on va mettre un gars. Ça, c'est la clé. Voilà. Et le dernier truc, c'est la poule, donc la poule, l'œuf. Voilà. Oh là là, je suis un génie de... Je suis un génie des énigmes, moi. Est-ce que je vais voir la conférence après? Oui, Ralph. Là, je passe le moment avec vous, évidemment, parce que c'est mon petit plaisir du jeudi soir. Je ne vais pas m'en priver, je ne voulais pas vous en priver non plus. Mais c'est sûr qu'après, je vais aller regarder la conférence. Parce que je suis curieux de voir ce qu'elle va le faire, cette console. Alors, j'ai une lampe, dont je peux prendre l'ampoule, très bien. Je ne peux pas reprendre l'escalier, parce que c'est une grosse feignasse. Et là, nous avons une machine à café. On peut faire du café au piment, visiblement, ou du café au sucré. Et à la feuille d'érable. Et là, il y a du sucre, du sel. Alors, allons-y. Ah, un petit piment. Bah voilà, alors avec 2 petits piments, je dois pouvoir faire un café. Ah non, j'adore sa tête. Eh non, il n'y en a qu'un. Ok. C'est un filtre d'amour. Bon, bah là, je peux rien faire si j'ai pas... Mais non, j'adore. Je vais faire les mêmes mimiques que lui. Ah non, mais c'est vraiment François Hollande, c'est incroyable. J'espère qu'il va y avoir un scooter à un moment du jeu. Alors, je peux pas aller à droite. Un petit piment pour pimenter. Tout à fait. Je vais voir ce que ça va faire du café au piment.
Je comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas fait l'E3 version Steam pour le moment. Ouais, bah chacun fait son truc dans son coin finalement. Comme il n'y a pas l'E3 pour fédérer tout le monde, ils vont tous faire le truc chacun dans leur coin. Ils maîtrisent leur com en totalité, ils maîtrisent le calendrier, ils maîtrisent tout. Alors voilà, les collègues sont donc à une réunion visiblement avec la chef qui leur explique que c'est pas bien, les objectifs n'ont pas été atteints. Et voilà. Alors est-ce que... Je sais même pas où est passé le petit truc rouge là depuis tout à l'heure. Alors, je peux arriver jusqu'à elle. Mais je peux pas traverser. Est-ce que je peux prendre ce café? Non. Est-ce que je peux prendre cette sucette? Non. Est-ce que je peux prendre ce stylo? Non, ce hamburger? Ce type là, je peux faire quelque chose? Non. Je peux peut-être mettre du piment dans leur café. Et là, il y a un asticot dans la... Regardez, dans la poubelle, il y a un asticot. Ces soirées costumées, oui, j'ai l'impression que c'est le dress code de cette entreprise. On sait pas ce qu'ils font, c'est jamais expliqué, mais ça doit être une entreprise de déguisement, je pense. Allez, petit asticot. Voilà, j'ai attrapé un asticot. Et là, il y a un manuel d'instruction pour... Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est le ventilateur. Une toupie. On dirait une toupie. Elle a une tête d'ananas, la nana. Ça y est, dit d'un max s'y remet. Dans cette entreprise, c'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Oh, ça me fait penser. Vous savez que je suis très friand de Bref de comptoir. Je vous recommande vraiment. Tous les volumes sont bien. Hein. Mais moi, j'en ai un dans mes toilettes qui est un espèce de recueil de plusieurs années. Et j'adore. C'est un mec qui va dans les bistrots. Il s'appelle Jean-Marie Gouriot et il note les phrases qu'il entend. Voilà. Et donc, il y a un gars qui dit... C'est le McDo qui me fait penser à ça. C'est... Je vais au restaurant, je croyais tomber sur un restaurant indien et c'était un McDo. Et l'autre lui répond, comme Christophe Colomb. C'est génial comme réflexion. Christophe Colomb qui croyait arriver en Inde et qui est tombé sur l'Amérique. Voilà, le mec croyait qu'il est tombé sur un restaurant indien. Il tombe sur un McDo. C'est tellement drôle, franchement, des fois les mecs ont des éclairs de lucidité absolument incroyables. Voilà. Il y a vraiment des trucs. Alors des fois c'est de la lucidité, c'est n'importe quoi. Genre. T'es sûr que c'est la frite enchantée? Des trucs comme ça, je trouve ça vraiment génial. Alors voilà, c'est le mode d'emploi du ventilateur qui visiblement a 3 niveaux. 1, 2 ou 3, plus ou moins fort. Voilà. Et donc, si c'est le niveau 1, ça tombe sur le mec qui a un costume d'autruche. Le niveau 2, sur le gars qui a un costume de carotte. Et le niveau 3, sur la dame avec son ananas. À mon avis, c'est elle la cible. Il va falloir qu'on se mette au niveau 3. Ok, alors je galère un peu avec le curseur, c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé à ce jeu pour le moment. Alors on va essayer de déclencher le ventilateur. Il est trop petit, il faut pas sauter. Mince. Et là aussi il y a quelque chose à faire visiblement. Parce que ça clignote et c'est pas... J'ai une ampoule, je pourrais peut-être... Alors c'est pas mal d'ailleurs l'histoire d'inventaire, on se prend pas la tête. Vous cliquez sur un truc, si vous avez l'objet qui va avec, il sort le bon objet, il n'y a pas besoin de choisir les trucs. Ah, Joas! Salut, Joas! Joas qui streamait juste avant moi, on t'a hosté, Joas. J'ai pas pu regarder, mais voilà, ça fait plaisir de voir que tu te mets au stream, toi aussi. J'imagine que ça doit être bien, il faut que j'aille voir. J'irai voir la rediff. Alors, je peux pas leur préparer un café parce que j'ai qu'un piment. J'ai cet asticot là, hein. Je peux peut-être leur faire peur avec l'asticot. Si je mets un asticot dans son burger, peut-être. Si vous avez des idées, les amis, je suis preneur. Hein. Ah, j'ai mis l'asticot, regardez, sur la table. Ah, il a sauté sur la sucette. Ah, très bien. Ah, mais il a lâché la sucette. Ah, bah très bien, je prends. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire avec une sucette? Je peux peut-être aller faire piment sucette, un truc comme ça. Le cosplay ananas aurait été parfait. Oui, mais c'est pas le héros. Le héros, c'est ça. Puis, il se trouve que j'avais une cagoule qu'on avait utilisée, je sais pas pourquoi, pour un level 1, pour un rétro game 1. Et du coup, il y a du scotch noir dessus. Et j'ai enlevé le scotch noir. Et il y a une espèce de colle blanche dégueulasse dessus. Je pense pas que ça se voit, mais il est dégueulasse ce truc en fait. Je me dis heureusement que j'ai une caméra de mauvaise qualité. Parce que... Qu'est-ce que c'est que cette matière blanche sur sa cagoule noire? Qu'est-ce qu'il fait, Marcus, le week-end? Il va dans des clubs libertins, genre la multiprise ou quoi? Pas du tout. En plus, je sais qu'il y a des enfants qui regardent, donc c'est pas mon genre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une sucette, justement, puisqu'on en parle?
penser à une métaphore. Un gars qui dit c'était aussi indispensable qu'une shampooineuse à moquette dans un club échangiste. Il y a des sacrées métaphores quand même. Je sais plus dans quoi c'était, ça m'a beaucoup fait rire. Cela ne nous regarde pas, tout à fait, The Rabbit Kte. Alors, les amis, j'ai une sucette, mais ça suffit pas, il faudra une feuille d'érable. Et je n'ai pas de piment. Et j'ai fouillé tout ici. Ça me ferait plaisir de voir le mec toujours si taré de mon enfance. Et oui, Sony, je n'ai pas, il n'est pas changé. Et j'ai toujours un goût prononcé pour les costumes ridicules. Ah, plus c'est ridicule. Il y a un petit côté fantômette aussi, je dois dire. Qu'est-ce que je peux faire avec cette sucette? Qu'est-ce que je peux faire avec cette sucette? Alors voilà, si vous avez des idées, les amis, je suis preneur. Je peux pas... Je ne peux toujours pas, je suis trop petit. Le Florusso propose le ventilo, mais c'est trop petit. Touiller le café du lapin. Ok, alors le lapin, il est là. Enfin, c'est pas son café, c'est le café de la fille, là. Non, le burger, non. La fille, non. J'ai dû oublier quelque chose à côté. Ah, une petite mouche, là. J'ai pas vu, une petite mouche. Alors, oui, quand c'est des objets en mouvement... Elle n'est pas capable d'attraper une mouche, ok. Quand c'est des objets en mouvement, c'est chaud patate quand même. Parce que on n'arrive pas à les attraper. Bon, en même temps, je pense que c'est pas fait pour être attrapé. Il y a ce tableau, j'ai pas regardé. Ah, voilà. Oh, un taquin. L'énigme de le degré zéro de l'énigme, mais il n'empêche, c'est galère à chaque fois. Ah, je suis nul à ça. Ok, bon, on va essayer quand même. Alors, voilà. Ça, ça doit être ses oreilles, j'imagine. Comment on fait un taquin? C'est comme ça. Ah, voilà. Alors, j'ai presque tout, sauf que c'est pas dans le bon ordre. Je sais plus. Hop, 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 hop. Hop. Voilà, ça c'est en place. Ah la vache. Je suis libertine. Je suis un taquin. Bien joué. Les oreilles vont en haut. Merci, Dindinx. C'est pas tellement ça qui me choque. C'est comment on arrive à mettre les oreilles. Voilà, là j'ai tout, mais pas au bon endroit. Donc ça veut dire que le coin en haut à gauche, voilà, c'est ce coin-là qui doit rester vide. Alors, il faut que j'arrive à envoyer ça. Faut que j'arrive à envoyer ça. Ah là là, j'ai toujours. Et j'avais compris les taquins. Voilà, ça, ça va aller là. Non. Ah là 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 là. C'est parfaitement symétrique, mais à l'envers, on est d'accord. Oh. C'est pourtant, il n'y a que 6 blocs, ça devrait pas être si compliqué que ça. Galère avec ça. Voilà. Ah, j'arrive bien hein, dans l'autre sens, j'arrive parfaitement. Si tu découpes l'écran, ça marche, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a des ciseaux? Est-ce que quelqu'un peut me passer des ciseaux? Comment faire? Faudrait que je sois un peu plus concentré que ça. Bon, déjà, amener ça. Là-dessous, ce serait pas mal. Oh, oh bah on n'est pas couché, les amis. Oh, c'est joli comme ça aussi, non? Oh, j'arrive toujours, je reviens toujours sur le même truc. Ah oh, là 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 là. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça, c'est pas mal. Côté là, c'est pas si mal. Ah merde. Voilà. Ah, j'y suis presque. Oh là 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 là. Oh,
je sais pas si vous arrivez à résoudre ce genre de truc. Ah non, c'est quand même pas compliqué, c'est pas possible. J'ai pas de. En fait, j'ai pas de. C'est ça qui me perturbe. J'ai aucune stratégie, quoi. Ça, faudrait que cela passe de celui-là, déjà. Voilà, faudrait que celui-là soit en haut. Ah, je galère. J'adore ce genre de choses. Oui, mais je trouve que c'est plus... Ah, c'est plus facile à faire en vrai que comme ça en virtuel, quoi. Ah, je tiens peut-être quelque chose. Je tiens peut-être quelque chose. Oh mon sang, est-ce que quelqu'un a chronométré? J'aurais dû commencer au début de la pandémie, Marc. Oui, tout à fait. Oh, mais c'est moi, c'est mon portrait. À peu près. Ah, c'est la Joconde en portrait. Ah! C'est un tableau avec des lapins, et des carottes, et des cochons, et des oiseaux. Ok! Merci les amis. Ah, vos encouragements me vont droit au cœur. Merci. Merci. Non, ça va, t'étais plus rapide, j'ai pris 30 ans, pas vous laisser. Oui, qui m'a eu le temps de vieillir. Joyeux anniversaire, en fait, t'es 80 ans. Bon, bah, on verra ça après, j'imagine. Alors, le coffre, on va ouvrir le coffre. Ah, bah, bien sûr, faut une combinaison. Combinaison à 4 chiffres. Ok. Merci pour les applaudissements, l'âne potro. C'est l'âne trop trop, mais pas trop quoi. Je vais nominer ton pseudo, l'âne peu trop. C'est super. J'ai clippé ça, on aura le temps. Merci Kira, ça fait plaisir. Alors, où est le code? Ah bah c'est peut-être ça le code. Alors, c'est quoi le code? Il y a 4 cochons. Il y a 6 oiseaux. Il y a un lapin et il y a 5 carotte. Donc ça ferait 4. Ouais, mais pourquoi cet ordre? Essaye ton code de carte. Alors, c'est 48, 60. Oh merde. 4 cochons. Alors, on va partir de gauche à droite. 4 cochons. Ensuite, 6 oiseaux. 4, 6. 1 lapin. 5 carotte. 4, 6, 1, 5. 4, 6, 1, 5. On est d'accord. On fait ça. 4, 6, 1, 5. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, peut-être par ordre alphabétique. Cochon. Ah, mais cochon, carotte, c'est le même truc. Ah, peut-être pas en anglais. Pig, P. Oiseau, bird. Donc B en premier. Lapin, rabbit. PQR. Donc ça ferait oiseau, lapin, cochon et carotte. Bird, BC. Alors, bird, oiseau, B. C, carotte, en deuxième. J'ai dit rabbit, PR. Donc, ça ferait 6, 5, 4, 1. 6, 5, 4, 1. C'est pas mal ma théorie, non? J'essaye. 6, 5, 4, 1. Allons-y. 6, 5, 4, 1. C'est pas ça. Ok. Bon. Dans la salle de réunion, il te donne un ordre, me dit Tigra Elfina. Et vous êtes 6-5-4-1. Pourquoi 6-5-4-1? Demande le code au boss. Alors attends, dans la salle de réunion, tu dis, on nous donne le code, l'ordre. C'est pas là. Là-dedans, c'est le truc du ventilateur, je pense pas. C'est pas les animaux qui correspondent à tes collègues. Ah, si, 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 lapin, lapin, carotte, cochon, oiseau. Lapin, carotte, cochon, oiseau. Oh, bravo, les amis. Ah, je savais que j'avais. Je savais que je faisais bien le faire avec vous. Lapin, carotte, cochon, oiseau. Lapin, carotte, cochon, oiseau. Lapin, carotte, cochon, oiseau. Lapin, 1. Carotte, 5. Cochon, 4. Oiseau, 6. 1. 5, 4, 6. 1, 5, 4, 6. Merci. C'est gentil, vous me filez. Vous me le notez pour moi parce que j'ai pas de cerveau. 1, 5, 4, 6. Je peux pas retenir un truc plus de 4 secondes. 1, 5, 4,
6. Yes! Oh là là, le travail d'équipe! Oh, et un petit piment, mais c'est parfait! Et ben voilà, pour aller faire du café. Merci, les amis! Ah, c'est génial! On n'avait pas fait ça encore, mais c'est vrai que faire un jeu d'aventure avec vous, c'est pas mal du tout. Parce que vous savez, comme on sait, quand on est tout seul, on galère toujours. Alors qu'à plusieurs. Ah, voilà, j'ai fait du piment. Ah, bah, je peux faire ça maintenant. Ah, des petits cafés. Café pimenté, oui, c'est dessiné là. Ok. Il va y avoir un nouveau GTA étendu remasterisé pour janvier 2020. Ah, la bonne nouvelle. Ah, oui, ça a commencé la conférence PlayStation. Ah, bah, écoute, si quelqu'un veut nous tenir au courant, c'est avec plaisir. Alors, est-ce que je peux changer la tasse à café de la dame là? Par exemple. Tiens. Comme ça, elle va aller aux chiottes et je pourrais passer. Ah, ça fait drôle. Ah ça claque. C'est la rédac de Pif Gadget. Ah, bravo, Submeister. Je vais nominer Submeister pour ça. Alors, ok, mais ça ne l'a pas arrêté. Ah, puis j'ai perdu mon café. Ok. Eux aussi, ils ont une tasse à café. Je vais voir si je peux pas rendre. Il a l'air vif, il a mangé trop de flageolets. Ouais. Allez, c'est reparti. Allez, François, mets ton café. GTA 5 sur 3 générations de consoles. Ouais. Oui, c'est fou quand on y pense, t'as raison. Sur PlayStation 3, 4 et 5. Et bah voilà, une bonne nouvelle. Elle va avoir le fond du caleçon marron. Tout à fait, Rédu Plombier. Ah, vous êtes à l'honneur, là, tous les deux, aujourd'hui. Avec Rédu Plombier et fond du caleçon marron. Alors, est-ce que je peux échanger? Oui. Ah, et c'est le monsieur qui mange son burger qui va y avoir droit. Ah, ça chauffe, hein. Ouh. Il l'a cramé, la pauvre fille à côté. Ah, bah alors. Ah, elle a fait tomber son... Ça fait tomber son petit chapeau. Ah, très bien. J'ai son petit chapeau. Eh ben, est-ce que ça fait pas des plumes pour mettre dans le café? Elle a chaud, la cochonne. C'est pas une cochonne, ça, un oiseau. Ah, oh, je peux me refaire un petit truc. Ok, allez, on y retourne. Qu'est-ce que je peux faire avec cet oiseau? Peut-être lui faire peur, je sais pas, avec la tête d'oiseau. Non. Un niveau Spider-Man pour 2021, bah, très bien. Est-ce que je peux brancher le... Ah, avec l'oiseau, il peut déconnecter le ventilateur. Super. Alors, voilà. Alors, niveau 1. Ah, niveau 2. Si je rappuie ça plus fort. Et niveau 3. Parfait. Ok. Et si je mettais la tasse... Est-ce que s'il y avait du vent... Ça foutrait le feu au tableau quand elle pète. Et quand elle pète, trousson slipper. Vite, 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 retourne au... Ah, mais il veut pas sortir du bureau. Ok, c'est dommage. Est-ce que je peux ouvrir ça maintenant que j'ai l'oiseau? Oui. Ça va chier dans le ventilo. 1000 cafés plus tard, elle dort plus, oui. Eh ben là, je peux changer l'ampoule. Alors voilà, les vannes sur le PS3, c'est maintenant, hein. Allez-y, lâchez-vous. C'est tout? Bon, ça grésille plus. Est-ce que ça change quelque chose avec le... Non! La sucette. On n'a pas utilisé la sucette encore. Mets d'abord le ventilo, puis la tasse après. Je
je suis d'accord sur cette mécanique, Pixel 69, on va faire ça. Vous aimez bien la musique, elle est chouette. C'est vraiment cette ambiance, est... on dirait un vieux dessin animé, genre de la Panthère Rose, genre c'est très stylé comme ça, les premiers épisodes de la Panthère Rose avec des décors tordus. Et évidemment, ça rappelle Day of the Tentacle aussi, les décors tordus. Franchement, voilà, vraiment j'ai trouvé ça très sympa ce jeu. Choper la mouche avec la sucette. Ah oui, on pourra tirer peut-être la mouche avec la sucette. Alors, tu as dit mets le ventilo en marche et ensuite j'amène la tasse. Ok, je le mets direct en mode 3. Et je file remplacer sa tasse à café. Ah, le ventilo s'est arrêté. Ça y est, j'ai remis, je sais pas pourquoi il a surgi. Non, ça fait rien. Ça fait pas du vent dans son paix, pas plus que... Alors, attends, tu disais la mouche avec la sucette, je suis d'accord. Essaye de faire tomber le chapeau de la carotte pour avoir la feuille. Ah, ce serait ça la feuille qui nous manque, oui. On a la sucette. Alors, la mouche avec la sucette, c'est pas bête, on l'a pas fait, ça. Ah non, l'oiseau, il va choper la mouche avec l'oiseau. C'est mignon. La tasse du cochon, non, plutôt. Ah, bah alors, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Voilà, faut que je vise avec avec mon pauvre curseur. Oh ! Ah, là, c'est pas mal quand il passe là. Oh, je l'avais, là. Allez. Peut-être un tout petit peu avant. Ah, je l'ai. C'est bon. Marcus Mabekeo, c'est ça. Trop tard ou trop tard. Oui, c'est vrai que c'est, on a du mal à évaluer. Ok, bah j'ai la mouche. Elle est là, la mouche. Alors, toi, tu dis retourne à... Ouais, retourne à côté. Alors, on met quoi? Une mouche dans le café? Non, il a changé le café contre rien du tout, j'ai l'impression. On va t'occuper du ventilo après. Ah, et moi je fais ce que vous me dites, c'est génial. J'adore mon boulot. Vous faites... D'ailleurs, quand on avait fait Use Your Words, vous aviez fait mon boulot à ma place, c'était génial. Voilà, là j'ai vu du vent. Allume le ventilo et change la tasse du cochon. Alors, allons-y. Je vous fais confiance. Ah oui, change la tasse du cochon avec des piments. Voilà, merci Pixel 69. oui, donc ce jeu, je l'ai trouvé là, très récemment sur PlayStation 4, mais je crois qu'il existe depuis un moment sur Steam. Mais le cochon, j'ai déjà changé sa tasse, il crache sur la fille, c'est ça qui nous a donné le bec d'oiseau. Alors allons-y. Ah, j'ai pas pris la tasse. Oh, quel boulet! Ratchet & Clank sur PS5. Oh là là, on en parlait l'autre jour de Ratchet & Clank, on se disait tiens, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Ratchet & Clank. Voilà, j'ai la tasse de piment, on est reparti. Merci Danarak pour le nouveau follow, ça fait plaisir. Je sais plus combien on est, 21 000, presque 22 000, wow, c'est impressionnant. Donc tu as dit le ventilo, et maintenant la tasse. Allons-y. Ah, sauf que le ventilo s'éteint. Je vais peut-être le mettre en mode plus fort. 2, 3, allons-y. Allez, rends la tasse, rends la tasse. Non, c'est pas ça. Ah, plus fort le ventilo. Tu veux que le ventilo aille sur la... Ah bah oui, le ventilo, on peut le mettre vers l'ananas, là. La nana avec la nana. Allez, mais je vois pas ce que c'est important, on l'a déjà fait, ça. Ça me fait rire. Ok,
Et alors, ça ne marche pas, les amis. Ça ne marche pas. Mouche à utiliser avec le néon. Ah, c'est vrai que j'ai pas réutilisé le néon depuis tout à l'heure. Il avait plus l'air de vouloir faire grand chose avec ce néon. Il a le sort de son slip, c'est drôle. Ah, la mouche est attirée par le néon. C'est pour ça qu'on a changé l'ampoule. Bravo! Et maintenant, avec le ventilo, j'envoie la mouche sur qui je veux. Donc elle, elle a chassé la mouche. Très bien. Deuxième niveau, ça va arriver sur la carotte. Salut Foliette! Oh mon dieu, oui Marcus, je suis là dans ce très beau costume. Ah oui, ça l'agace visiblement la carotte. Oh, très bien, il a fait tomber son stylo. C'est parfait ça. Allons-y. Ah, j'adore la petite main qui tâtonne en dessous. Ok, mais que faire avec un stylo? À quoi ça me servir ce stylo? Qu'est-ce que je peux faire avec un stylo ici? Peut-être retourner à côté. Tu peux écrire avec un stylo. Merci les amis. Ça fait plaisir. Le coffre, on a déjà vu. On n'y a plus accès. Ici. Je vais refaire mon truc. Ah, j'ai toujours pas la feuille. Il nous faut la feuille qu'il y a sur la... C'est quoi? C'est la carotte. Est-ce que je lui rechange à lui son truc, encore une fois? Non, il a peur de vouloir. Et elle, on a déjà vu, ça fait rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis fan de cette carte. Ah, le Dindax, il est fort, il est fort. Est-ce que elle, je peux lui donner le stylo? Non, elle s'en fout. Lui, le burger, il s'en fout. La carotte, c'est son stylo, mais il s'en fout. Et elle, il n'y a rien à faire. Je peux pas lui piquer les fesses avec mon petit stylo? Non. Je peux pas gribouiller dans le... Envoie la mouche sur l'ananas. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait ça encore. Tout à fait. On s'est arrêté à la carotte. Oh là là, vous êtes des génies, les amis. Voilà, j'ai pas fait le mode le plus fort de... Alors, qu'est-ce que ça va lui faire? Oh la vache! Ah bah là, voilà la feuille, parfait. Elle sort quand même les grands moyens pour... C'est drôle. Pour juste une petite mouche. On s'y connaît en vent. Ah oui, moi je suis le spécialiste. Encore une brève de comptoir. Le mec qui pète prout et l'autre qui répond: t'es notre fleuron culturel, toi. C'est des génies. Eh ben, j'ai la feuille, j'ai la sucette. Je peux faire des cœurs maintenant avec. C'est-à-dire, c'est quoi, un café aphrodisiaque? Ah, il fait un petit espresso, il a mis. Franchement, les animations sont super. Je crois pas qu'il avait mis un. Il avait pas fait ça pour celui-là. Ok, allons-y. Ananas à ça! C'est les malades! Allez! Elle va tomber amoureuse de. Je sais pas, du lapin? C'est le plus proche. Parce que c'est sûr que ça va tomber. Oh! Ça marche! Ça marche, elle n'a dû que pour lui! Super! Barrons-nous! Ah mince, elle me voit quand même en train de travailler. Oh bien, avec le stylo, j'ai inversé le... Et ils font la fête. C'est n'importe quoi. Oh, puis on dirait la musique des bronzés en plus. Just because of you. Ah, c'est génial. L'autre, elle a sorti un sombrero, le cochon a son petit chapeau, collier à fleurs, de la bière, c'est la fête. Eh ben, j'en profite. J'en profite de la diversion.
pour me barrer. J'adore cette animation. Ah bah Milly, si tu veux nous faire un clip avec, on dansera tout l'été. Ça peut être le tube de l'été. Alors, des toilettes avec beaucoup de gens, beaucoup trop de gens dans ces toilettes. C'est quoi cette histoire? Alors, elle veut pas aller... Ah bah là, moi j'ouvrirai pas ça. Beaucoup trop de jambes là. Ah, ils veulent du papier toilette. On va leur en trouver. La nana se tape le lapin. Alors, nous avons ici des toilettes qui ne marchent pas. Et derrière, on a une roue avec des petits zigzags et des graffitis. Est-ce qu'il y a du papier? Est-ce qu'il reste du papier là? Non, à chaque fois, il n'y a que les toilettes qui intéressent. Je ne suis pas disponible pour déboucher, nous dirait des plombiers. On va voir dans la pièce à côté. Ah, le petit truc rouge! Ah, bah voilà, on va le suivre. Ah, c'est coincé, il faudrait quelque chose. Il faudrait un tournevis. Voilà, j'adore, il n'y a pas de dialogue, mais on comprend tout. Est-ce que je peux pas prendre un cintre pour faire un tournevis? Non. Est-ce que je peux visiblement bouger ce truc? Ah, j'ai renvoyé de l'eau dans la cuvette des toilettes, je pense. Et les caisses, là, ça fait rien. Ok. Un cintre. Alors, est-ce que... Là, maintenant, il y a de l'eau. Ah, pourquoi le tournevis? Il bloquait le truc. Ah bah super, allons-y. Je me prends pour MacGyver. C'est Armageddon, les WC. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Allez, des vis. Miles. Moi aussi, je peux faire de l'humour si je veux. Très bien, suivons-le. Allons-y. Alors là, vraiment, c'est Metal Gear Solid. Hein. L'infiltration à tous les niveaux, mais au bureau. Ça, c'est top. Franchement, les temps de chargement, c'est abusé pour des trucs comme ça. Ah, le voilà le rouleau de papier toilette. Mais je crois que je ne peux pas l'atteindre pour le moment. Lévis Presley ou Lévis Strauss? Ça se discute. Alors, il est parti par là. Est-ce que je peux le suivre? On va voir à droite s'il y a quelque chose à faire après. Oh, je sens qu'il y a passé cette grille, bien sûr. Alors, j'ai toujours mon tournevis? Non. Non, il faudrait une roue. Ah là, je peux rien faire. Ok. Repartons de l'autre côté. Squirrel Snake. C'est Solid Squirrel plutôt que Solid Snake finalement. Alors, on va monter. On va voir s'il y a des choses à faire là-haut. C'est plus des problèmes d'infiltration dans les toilettes que d'infiltration tout court. Alors là, avec le pavé directionnel, je peux choisir ma direction, ce qui est pas mal. Bon, les temps de chargement, heureusement, sont pas très longs. Oh, est-ce que quelqu'un a fait un plan? Parce que là, on va vite se perdre. Il n'y a rien à prendre. Là, y a une petite tasse. Non, c'est un cul-de-sac. Ok, demi-tour. Salut, Xessiva! Tu regarderas le replay? Oui, bien sûr, tu vas voir la conférence PlayStation, j'imagine. Bon, bah là, on nous tient au courant au fur et à mesure, donc ça va, on n'a pas raté grand-chose. Ah, c'est Prison Break, ouais. Je vais monter, je peux aller voir par ici encore. Les anciens employés qui ont mal fini, visiblement. J'aurais dû faire un plan. C'est François Groland, oui, qui va. Il est vraiment... C'est le sosie de Grolandais de François Hollande, c'est clair. Ok, on va aller voir de ce côté-là. Je regarde hein, s'il n'y a pas des trucs à attraper. Non, il y a les vieilles parts de pizza. C'est vraiment... ça fait vraiment penser à mon Kylord, quoi. C'est le même genre d'humour. Oh, j'adore la façon stylée de descendre dans le... dans le truc. C'est surtout qu'il est trop gros, il se bloque dans les tuyaux. Ah, c'est drôle. Ah, j'adore. Il a vraiment du style. Des maladies attrapées peut-être, oui, c'est probablement. Tu as vu le petit clin d'œil à Deus Ex Machina juste avant? Non, j'ai pas fait gaffe. C'était quoi?
Enfin, il y en a. Tout le style fait penser à Deus Tentacle, mais là, il y a une carcasse de mon ancien employé, visiblement. Jean-François Vandamme. Pour choper la clé, c'est foutu. Le temps est écoulé, oui. Petite part de pizza, un burger. Ah non, 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 pas de ce côté-là, pas de ce côté-là. C'est Jurassic dans ce conduit. Alors, est-ce qu'il y a un singe à trois têtes? Le squelette d'un singe à trois têtes? Oui, ça m'étonnerait pas. On sent que voilà, c'est des gars qui ont été élevés à Monkey Island. Petit téléphone à gauche. On va essayer de redescendre par là, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Regarde bien, tu verras deux petites tentacules qui te font penser à des... Oh, j'avais pas... Ah mais oui! Exactement! Le tentacule pourpre, exactement! En plus, c'est le mien, j'ai toujours le mien à portée de main. J'en ai deux magnifiques, d'ailleurs. Je reviens, les amis. Hop! Voilà, j'adore, je vais voir mes tentacules, si je puis me permettre, on est entre adultes. Regardez ça, c'est quelqu'un qui m'avait fait ça. Ah, je me souviens plus qui, malheureusement. Ah, sur un salon, on me l'avait offert. Tentacule pourpre et l'autre qui est en train d'engueuler l'autre tentacule. C'est une imprimante 3D. Super bien foutu, j'adore ce petit truc. Ça trône sur ma borne d'arcade. Et l'autre, c'est encore mieux, ça est tricoté avec amour au crochet. Je trouve ça génial. Voilà, vraiment du super boulot, quoi. Il y a vraiment des gens, quoi. Du talent. Ah là là, vraiment, c'est dommage, j'ai Alzheimer, je me souviens plus qui m'avait fait ça. Non, c'est pas Marie. Mais voilà, c'est vraiment. Voilà, j'adore, c'est juste à côté. Et effectivement, on reconnaît tout à fait. I will take on the world! C'est vrai que j'étais passé à côté. Merci Tigra pour avoir repéré ça. Alors là, on va descendre et on va aller vers la droite, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Aucun spoil, conférence, s'il vous plaît. Timur, ça ne veut pas savoir. Ok, on a eu deux, trois petites infos. Oh, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Puis c'est quand même pas mal de se tenir au courant aussi. Je vais voir à droite. Voilà, là, on n'était pas passé par là, hein, tout à l'heure, on est d'accord. Ah, et Dindax est très content du livre Monkey Island. Bah écoute, il a été dûment gagné avec une très bonne vanne. Je rappelle que Dindin, qui a 3 semaines maintenant, a gagné le prix de la meilleure vanne parce qu'elle était vraiment bien, sa vanne. C'est pas ma faute, mais c'est pas du favoritisme. Mais ça, c'était vraiment la meilleure vanne de la soirée. Et il a gagné le livre qui. Je sais plus quelles éditions tu me diras, mon Dindin. Ça doit être chez Pix and Love, le livre sur Monkey Island qui raconte toute la genèse de Monkey Island. Alors, on a du papier toilette, on peut le leur donner. Est-ce que ça va leur faire plaisir? Ah! Pourquoi une roue? Pourquoi ils ont une roue? Quoi? Quatre quoi? Quatre feuilles de papier toilette? Attends, oh là là. Ah, il faut que je reconstitue un cœur avec tout ça? Ah, attendez, attendez, c'est une énigme. C'est de la logique. Les deux C vont ensemble, et donc qu'est-ce qui va avec, avec ça? Alors là. Ah oui, ok. C'est une de ces figures qu'il faut répondre, une de ces figures. Si ça va avec ça, ça va avec quoi? Alors, c'est la même chose, symétrique, et on a changé de couleur, on a inversé les couleurs, donc ce serait plutôt ça. On est d'accord, puisque ça, c'est la même chose en symétrique, mais avec les mêmes couleurs, et ça, on a inversé les couleurs, donc je dirais ça. Ah merci. Ah les énigmes. Oh là là, attention. Oh là 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 là. Alors, des croix gammées. Quelle bonne idée. Non, c'est pas le moment, les amis. Vous voulez mettre le feu à tuteur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas des croix gammées, c'est des petits symboles en mode radioactif. Alors, si ça c'est ça, alors ça c'est quoi? Le deuxième rond, vous dites celui-là, les amis. Alors, pourquoi? Attendez, je réfléchis à la logique. Et ils ont juste... C'est inversé symétriquement, on est d'accord. C'est juste... Voilà, l'inverse symétriquement.
Et l'inverse symétriquement, effectivement, ce serait plutôt celui-là. Parfait. Ah, quelle est la suite logique de ça? Oh là là, on dirait les tests de QI à l'armée. Que j'avais raté, monsieur. Effet miroir. Le 2. Et pourquoi le 2? Le 3. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Le 4. Alors, personne n'est d'accord. Alors, attendez. Trouvons la logique de cette histoire-là. Nous avons un triangle, un carré. Alors, à chaque fois, c'est celui d'avant. Je veux dire, cette figure-là, c'était celle-là. Et celle-là, bah non, ça marche pas. Le 4. Tout le monde a l'air d'être d'accord sur le 4, non? Professeur Kawashima, oui, c'est vrai. Sors de ce corps. Alors, nous avons... comment ça s'appelle quand il y a 6 côtés? Un sextagone? Je crois pas. Un hexagone? Ça, je sais même pas, tiens. Ah, tout à coup, j'ai un trou. Le premier à gauche. Le 3, le 1. Non, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Le premier. Ok. Alors, genre, est-ce que le seul truc qu'on n'aurait pas? C'est-à-dire que... la grosse forme à côté du C prend... Bon, vous dites 1, je vous fais confiance. J'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment pourquoi. Mais... Et maintenant? Oh, face. Alors, un triangle dans un carré, deux moitiés de carré. En fait, c'est genre l'addition de tout ça, ça ferait quoi? Ça ferait un peu ça ou pas? On est cuit dans ce test de QI. Un pentagone. Un pentagone, merci Geekrivers. Oh la vache. Oh, c'est grave. Octogone, on sait, à cause de la bagarre. Pentagone, il y a les États-Unis, ils ont ça. Hexagone, c'est pas. Ouais, alors là, je suis désolé, les amis. Il faudrait vraiment que je reprenne un bon cours de géométrie, là. La figure extérieure baisse, la forme intérieure augmente. La figure extérieure baisse, la forme intérieure augmente. Ah oui, tu as raison. Mais comment augmente? Et non, Paradage, je regarde pas le live PSM parce que je suis avec vous en train d'essayer de résoudre une énigme compliquée. Et mon cerveau doit être concentré. Déjà, ça suffit pas. Est-ce qu'on peut appeler un ami? El Florusso, ça paraît une bonne idée. Milly Zoli n'arrive pas à trouver. André dit que ce serait le quatrième. Donc celui-là, moi j'ai tendance à faire confiance à André. Mais il faudra nous expliquer pourquoi. Hein. Le nombre de triangles, 1, 2, 3. Ah, pas bête. 1, 2. Et il y en aurait 4, il en faudrait 4. Donc ce serait celui-là. 4 triangles ici. Effectivement, là, il y a un triangle. Là, il y en a 2. Là, il y en a 3. Les deux petits plus celui-là. Et donc là, il y a 4 triangles. C'est pas mal, ça. Un carré, 4 triangles, oui. C'est ça. Le 3. Ah non, vous dites le 3. Le 2. Un Carlos Ghosn. Je vais nommer une Creepers pour... Après, l'octogone, le pentagone, le Carlos Ghosn. Ça a combien de côtés? Un Carlos Ghosn, combien de faces? Ça a pas de face. Un Carlos Ghosn, c'est ça en fait. Figure géométrique qui n'a pas de face, c'est un Carlos Ghosn. Le mec devrait être en prison, je vous le rappelle. Il est au Liban. C'est bien le Liban, moi je suis allé. C'est pas une prison du tout. Allez, je tente le 2. Moi je pense que le 2 est pas mal. Ah voilà, c'était ça les amis. Eh voilà, on a résolu à toutes leurs énigmes. Pas mal. C'est cher, hein, Carlos. Bah, c'était pas mal cette petite logique. Alors du coup, on peut aller à côté. Très bien. Très très bien. Et c'est toujours cette petite musique d'ascenseur, c'est trop drôle. Allez, on remonte. C'était en haut, hein, si je me souviens bien. On est bon sur le chat, mais oui, mais vous êtes des génies, et en plus vous êtes drôles. Non mais franchement, j'ai la meilleure commu du monde, moi. C'est pas les autres, c'est moi qui l'ai. Clairement. Salut Jade. Ah, t'as spoilé un peu. Non, non.
Vous n'allez pas être déçus, oui. Bah, on espère, en fait, voilà, c'est la première fois qu'on va voir vraiment ce que ça a dans le ventre. J'espère qu'ils vont annoncer surtout des exclusivités pour qu'on puisse avoir envie de choisir une console plutôt qu'une autre. Alors, je tourne. Alors, par contre, rien ne dit combien de tours il faut faire. Ni dans quel sens. Ah, est-ce qu'il y a des indications quelque part? Il y avait le code dans les toilettes. Ah oui, un coup à droite, un coup à gauche. Aïe, 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 aïe. Alors, faut qu'on retourne dans les toilettes. Allons-y. Effectivement, je me souviens du dessin avec la roue et les petites flèches. Bravo. 150 ans de... Ok, merci d'index. Eh bien, écoutez, je propose qu'on aille se coucher. Les mecs qui augmentent artificiellement la durée de vie d'un jeu, ça se serait déjà vu, hein. Mais là, ce serait abusé quand même. La roue de la fortune. Alors, oh la vache. Alors, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Oh! Quelqu'un peut noter. Alors, attendez. Et puis, est-ce que c'est vraiment dans cet ordre? Gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Gauche, droite, droite, gauche, droite, droite. On dirait un code dans Mortal Kombat. Gauche, droite, droite, gauche, droite, 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 gauche. Deux fois gauche, droite, droite, et ensuite droite, droite, gauche. On va essayer ça. Ah, merci Lim. Alors attendez, Garrick, mettez-moi ça de côté. Parce que je vais en avoir besoin dans quelques secondes. De haut en bas, ah, tu penses que c'est dans l'autre sens? Moi, je suis parti de bas vers le haut, effectivement, ça se discute. Droite, droite, AB, le Konami code, bien sûr, bravo Geekrivers. Allez, on y va. Alors, allez-y, redites-moi. Alors, vous pensez qu'il faut partir du haut du truc ou pas? Ok, alors, allons-y. Je vais faire confiance à mon dindax. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche. Est-ce que c'est ça? Ah! Oh merde. Attendez. Ok, bon. Je vais rebooter depuis le début parce que... Voilà. Allons-y. Alors, allons-y. Au bas, droite, gauche. Les flèches font tourner la roue dans le sens inverse. On recommence. Okay. Avec le pad, je peux faire gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Donc je vais faire ça avec le pad. Je ressors hein, pour resetter le truc. Je pense que c'est pas nécessaire, mais on va quand même faire les choses bien. Allons-y. Ton autre droite, Marcus. Salut Tritriton. On est en plein dans une énigme extrêmement compliquée. Heureusement que je vous ai, les amis. Alors, allons-y. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Merci, Ragnarok. C'est ta solution qui marche. C'est comme les élections. Gauche, droite, droite, gauche, il y a un peu de ça. Oh, magnifique. Je suis dans le monde extérieur. Je me suis enfin échappé du bureau. Et il y a ce petit bonhomme. J'espère qu'il a un slip. Donne-moi ta pièce. Non, 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 non. Je suis un gentil hibou. Oh, c'est quoi cet univers incroyable? Alors là, j'ai une sorte de nunchaku. Ici, j'ai une télé que je ne peux pas attraper. Toujours de la vie, blasé de la vie de personnage. Oui, tout à fait. Il a l'air fatigué. Lâche ton camembert. Hop, j'ai un petit... Petite ficelle. Ah, attendez, j'ai pas tout fini. Ah, voilà le Père Noël ou un arbre de Noël. Attendez, je vais vérifier qu'on a pas d'autres choses à récupérer, genre le fer passé. Ok, ça fait un peu pendule. Et ça, tout ça, je ne peux pas les attraper. Le Père Sapin, c'est comme le Père Noël. Et le feu, ça me rappelle Super Bolchevique de Noël, évidemment, qui était venu avec toi à la maison dans un chez Marcus pour nos lives. Alors. Et il y a des ampoules. Et j'imagine qu'il faut
Il faut allumer ça, je ne sais pas dans quel ordre. Il faut lui amener quelque chose. Je peux pas toucher à ça. Ok, il va falloir trouver ça. Il a une belle paire de boules. Alors je vois que ça se démène pour les vannes. Je rappelle aux petits amis qui nous rejoindront en cours de route que la meilleure vanne ce soir repart avec des perles de sagesse geek de nos amis de Geek Me More. C'est vraiment plein d'aphorismes et de trucs très sympas, presque philosophiques, avec des phrases extraites de la Guerre des Étoiles, de Seigneur des Anneaux, de Star Wars, de plein de trucs. Et puis ça c'est pour le meilleur pseudo, j'en ai nommé 2, 3, une Game Boy qui est en fait un cahier d'écolier offert par Game One avec la photo de mon ami Julien. Qui me manque, on devrait être à... Oh là là, on devrait être ensemble à l'E3, les amis, en ce moment. C'est terrible, c'est terrible. Alors, est-ce que si je lui touche... Ok, dès qu'on le touche, ça déclenche cette petite énigme. Je vais voir à gauche s'il y a quelque chose à faire. L'étrange Noël de Hollande. Oui, c'est ça. Appelle Géo, le trouve tout et son ampoule. Alors, ici... Oh, il y a un petit lapin qui est caché et qui a lâché une télécommande. Moi, je prends... Et on va continuer d'avancer dans cette forêt mystérieuse. Michel Sapin, François Hollande. Oui, c'est vrai que c'est... Je vais nominer le Florusso, parce que c'est vrai que les deux persos, c'est ça. Ah, un petit jeton. C'est peut-être ça, les jetons qu'il fallait récupérer. Il y en a un qui en avait un à l'entrée. Là, je l'ai juste ramassé par terre. Oh, Dark Maul, très beau pseudo, j'avais pas vu. Je vais nominer Dark Maul pour le meilleur pseudo. C'est très bien. Et en plus, il y avait une vanne, j'ai pas eu le temps de la voir, mais ça avait l'air très bien. Ah, que se passe-t-il? Alors là, ça devient n'importe quoi. On est dans du Miyazaki. Ah, est-ce que je peux avoir le truc? Non. Je veux 3 jetons. Très bien. Bah, j'en ai déjà. 3 jetons. Ok, bon, d'accord, d'accord. Et il me laissera pas... Il me laissera pas avancer tant qu'il n'aura pas mes 3 jetons. Allons-y. J'ai des ciseaux de pouvoir couper la corde qu'on a vu tout à l'heure. Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. Flippant le chat. Mercredi, je suis allé au château de Breteuil, ça s'appelle, en région parisienne, pas très loin de Paris. Je vous recommande, très très beau château avec un parc magnifique. Vraiment super le truc. Et ils ont reproduit des contes de Perrault avec des personnages un peu comme en cire, comme au musée Grévin. Et notamment le petit chaperon. Et on a emmené mon fiston, bien sûr, qui a 3 ans, et qui a flippé sa race devant le loup du chaperon rouge. Mais grave, vraiment, il a eu peur, on n'a pas pu voir les autres installations tellement il a eu peur de celle-là. Ah, une petite balançoire. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que je peux couper la corde avec mes petits ciseaux? C'est pas le château de Montreuil, non, celle-là c'est moi qui aurais eu peur, je pense. Ah, j'ai récupéré une cuillère et peut-être un fer à repasser dans l'herbe. Non, visiblement... Le faire passer ne compte pas. Faut dire que le chaperon rouge, normalement, je pense que c'est le dernier truc qu'on voit. Et nous, on a pris le chemin à l'envers, donc c'est le premier truc qu'on a vu. C'était peut-être un peu violent pour un petit, mais je sais pas. Il a que 3 ans, hein, c'est normal. Les trucs font un peu peur, il y a toujours une petite musique, c'est un peu dans le noir. Ça s'allume au fur et à mesure, il y a des voix assez fortes. Donc, je peux comprendre qu'il est flippé. Alors, retournons. La télécommande sur la télé, mais oui, mais bien sûr. Attends. Ah, alors, qu'est-ce que ça fait? On voit qu'au pied de cet arbre, il y a un truc. Et ça, c'était un peu plus loin sur la gauche. On y retournera tout à l'heure sur l'arbre du milieu. Nous irons voir. Le chat, non, lui, ça a bien changé. Oui, il a bien bouffé. On dirait Lord Wellington. Alors, ici, il y a un petit trou. Ça, j'en viens. Pas besoin d'y retourner. Tu me donnes ton palais? Non, il veut pas. C'est un oiseau, bah il veut peut-être la béquer, peut-être que je peux lui donner des graines, je sais pas, on va aller voir. C'est BFM TV. La radio, je pourrais rien faire avec la radio, c'est étonnant, mais ok. Alors toi tu veux que je fasse des choses avec. Est-ce que je peux mettre un jeton là-dedans? Est-ce que je peux faire quelque chose avec la cuillère? On est dans le trou du cul du monde, oui, il faut reconnaître. Est-ce qu'il y a un ordre à ça? Je comprends pas ce qu'il faut faire avec ça.
Je ne comprends pas. Il y a trois petites lumières, des ampoules là-haut. On va aller voir les trois arbres, parce qu'il y a visiblement quelque chose qui était au pied de l'arbre du milieu. Le Père Noël a une surprise pour toi. Oui, ça fait un peu flipper, Vince. Je reconnais. Alors, c'est pas cet arbre-là. Ça doit être le tableau d'après. Il y a un arbre un peu tordu sur la gauche. Voilà, c'est là. Là, il y a quelque chose. Là, on m'a indiqué qu'il y a quelque chose. Ah, je creuse avec la cuillère. C'est... Le X indique l'emplacement du trésor. Ah, voilà, j'ai deux jetons. J'ai des jetons. Ça, c'était la semaine dernière dans Walking Dead. Alors, j'ai deux jetons. Ah, je peux avoir la moitié du truc, c'est bon. Ok. Donc, il me reste plus que le jeton du gars à l'entrée. Sauf que là, je vois rien. Je vois rien qu'on pourrait. La forêt fout les jetons. C'est lui qui m'a déjà fait seul. Il me pique mes vannes. Ou alors, c'est moi qui te pique les tiennes. Ça se trouve, tu l'avais fait avant moi. Je l'ai pas vu. Les grands esprits se rendent compte de rien, tu sais bien. Alors. Lui, je peux pas lui chatouiller les bras, les dessous de bras. Dès que je lui mets la main dessus, il me montre. Il me fait de l'exhibitionnisme. Ah, avec les jetons là, mais il y a ça qui est apparu là. Il y a un truc qui est apparu là, sur le côté. J'ai pas vu avant. Vous avez vu des petites flèches? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces petites flèches? Pourquoi on... Là, il y a des flèches que je n'avais pas tout à l'heure. Ah! J'ai poussé à droite et j'ai relié. Ah, ok. Avec les flèches, il faut que je relie tous ces trucs. Ok. Bah, c'est une sorte de petit labyrinthe et il faut juste relier. Ok. C'était juste pas bien expliqué, les amis. Voilà, ça y est. Alors là, je suis fort pour ces conneries. Sauf que ça n'a pas marché. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Attends, je vais refaire l'énigme. Reviens. Bonne nuit, Babar Jinx. Quel magnifique pseudo. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Alors, là. Attends, pourquoi il y en a qui sont en blanc? Ah, quand je repasse. Quand je repasse à certains endroits et rechange de couleur. Ok, ça y est, j'ai compris. Il y a des histoires de couleurs, en plus. Je me gratte là. Je me gratte à travers la cagoule, ça marche pas du tout. Père a sorti son petit oise. Alors. Alors, je ne peux pas repasser sur... Je peux, mais... Ah, non, je... Ah. Ok. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Quand je repasse sur un truc, ça le rallume en blanc. Et j'ai le petit modèle à droite. Oh, ça devient compliqué. Hop. C'est chaud. C'est chaud. Pas revenir, je peux pas revenir sur mes pas. Ça va être chaud, ça. Je ne peux pas revenir sur mes pas. Ok. Là, par exemple, je vais à droite. Si je vais en haut, je ne peux pas redescendre en bas tout de suite. Je suis obligé de faire le tour par ici. Et là, je repasse. En fait, on n'a pas le droit de revenir sur ses pas. Ok. Non, c'est foutu, parce que là, je peux pas revenir. C'est foutu. Ok. Oh là là. Alors ça va être pire que le taquin, je sens. Comment faire pour passer deux fois sur celui qui est juste au-dessus de moi, là? Sur celui-là. Là, il faut que j'arrive à passer deux fois.
Ça n'est pas ça. Pourquoi commencer par en bas pour essayer? Alors, très, très juste. Je crois que je peux pas, je suis obligé de partir de là. Alors, j'en ai un, c'est déjà pas mal. Et si j'essayais plutôt comme ça? Ouais, mais là je vais rééclairer celui du bas. Ah là là! Je vais chialer! Ok! C'est comme Snake! Oh là 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 là, c'est dur ça, c'est dur ça! Voilà, celui-là il est fait. Si j'y passe là tout de suite, non, parce que je vais rallumer ces deux-là. Ça ne va pas du tout. C'est diablerie, je suis d'accord avec Dark Maul. Oh là là, les amis, alors là, ça nécessite toute la puissance de mon cerveau. Ça veut dire qu'il faut que je vous abandonne quelques secondes. En plus, j'en ai plus que deux à faire pour y arriver. Je pense que c'était pas une si mauvaise idée que ça de faire ça, là. Pas mal ça. Ah oui, sauf que non, malheureusement. Courage Marcus, j'aimerais pas être à ta place. Merci Foliette, surtout devant autant de monde. Ça me fait plaisir. Est-ce que je ferais pas mieux de partir vers le bas du coup? Pour faire un truc genre comme ça. Ouais, mais là, je suis coincé. C'est une sorte de solitaire, en fait. Encore et encore, Tate qui tue les Tate. Comment faire pour passer sur celui du milieu? Ah là là, non, 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 ça marche pas. Alors, je vais faire confiance à Tigre Elfina qui a trouvé une bonne solution. Alors, attendez, ne bougez pas. Tu fais haut, droite, haut, droite, droite. Après, j'ai perdu ton truc. Il faudrait que je le remette, Tigre. Bon, bah, j'imagine, là, j'ai pas le choix, c'est bas. Après, je pense que tu vas dire droite. Bah, ça y est, c'est fait. Gauche, ok. Qui bat dit gauche. Encore à gauche. Je fais confiance qu'à Tigra Elfina. Bon, elle a dit gauche. Je fais confiance. Et là, donc, bas. On recommence. Ah, Dindin, que ça a bien le bon truc, je pense. L'autre gauche. Ok. Je fais confiance à mon Dindin. Simplement, mon Dindin, il faut du coup que tu remettes. Haut, droite, haut, droite, droite. Alors, haut, droite, haut, droite, droite. Voilà, j'en suis là. J'attends le retour de Danax. Haut, droite, droite. Bas, droite, bas, gauche. Haut, gauche, gauche, gauche. Haut, gauche, gauche. Et là-bas, j'imagine. J'ai pas le choix. Forcément bas. Ok. Silence, on tourne. On tourne à gauche. Alors là, maintenant, voilà, j'en suis là. Faut me guider à partir de là. Droite. Est-ce que je fais confiance à Ragnarok? Oui, normalement. Si je fais le tour comme ça. Oh, les amis, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Alors, attends, préparez-vous. Préparez-vous pour ce coup-là. Oh la vache. J'y vais au feeling, on verra bien. Oh. Waouh, 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 waouh.
je remonte. Et maintenant, on colorie en blanc. Eh oui, sauf que je suis nickel. Ah. Ok. En plus, c'est le dernier à faire. Comment faire un E, une sorte de E là, c'est une sorte de E à l'envers. Fais un 3. Mais je ne demande que ça. Et si je reviens. Ah non, j'ai pas le droit de revenir tout de suite sur mon truc. Si je faisais un truc comme ça. Hop, 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 hop. C'est pas mal mon truc là. Sans me vanter. Après, ça va devenir un peu chaud patate. Ah, je suis pas mal. Je suis pas si mal. Mais je crois que c'est mort, mais... Ouais, c'est mort. Ah, c'est mort, c'est dommage, c'est pas mal. Je te bloque après, ok. Alors pareil, si vous avez des suggestions, je prends. La musique, c'est Jean-Pierre Jeunet ou Tim Burton. Il y a un peu des deux. Ah non, c'est mort, ça y est. Ah, quoique, peut-être pas si mort que ça. Non, c'est moche. Ah là 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 là, c'est dur. Faut appeler Michel Ancel. Oh, c'est chaud les amis. C'est plutôt Charlie Oleg, oui, il a raison, Muriadan. Bon, est-ce que ça vaut le coup de faire une ligne comme ça dès le début? Des trucs, hein. Peut-être qu'en tâtonnant, on finira par y arriver. C'était pas mal mon départ, non? Ah, il va m'en manquer, c'est horrible. Ah non, je vais rallumer celui-là et je voulais pas le rallumer. Je vais être trop bête, c'est pas un jeu pour moi. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah, j'ai pas fini d'attendre, les amis. C'est dans ces moments où tu te dis que c'était bien, les cheat codes. Alors, si quelqu'un a la solution, alors là, j'étais super. Tu trouves que c'est bien, mon truc? Alors. Hop, 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 hop. Hop. Ah la vache, non, je suis coincé. Je suis coincé. Ok. Bon, est-ce que mon démarrage vous paraît bien déjà? Ça, c'est la première étape. Est-ce qu'il faudrait pas commencer par le milieu, peut-être? Je crois que c'est raté tout de suite, non? Non, c'est bien ça. Voilà. C'est toujours que la moitié du truc. Ah là 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 là. J'ai déjà, tu m'as paumé à S. Parce que tu crois que je suis pas paumé, moi. Faire dans l'autre sens. Alors on fait tout le tour et après on voit.
pas mal ça. Ah non, ça marchera pas. Ah si, peut-être par en dessous là. Si c'est ça, je sais même pas comment j'ai fait. Je suis presque. La vache. Je suis presque. C'était pas mal mon truc là. Est-ce que c'était pas si mal et j'ai merdé sur la fin ou est-ce que c'était vraiment n'importe quoi? Sachant que j'ai fait ça, hein. j'ai fait le tour complet et après on voit quoi. Démarre en descendant et fait. Ah! Moi, tout ce que je m'en disais, oui, je pense qu'on va arriver qu'on est coincé dans ce truc. Avec autant d'ampoules allumées, on devrait avoir les idées pour ta claque. Passe sous la manette. Les néons de marque sont tellement fumés après ce stream, il n'aura même pas le courage de regarder les infos sur PS5. Ah! Et ça y est, il y a quelqu'un qui a trouvé! Et alors attends, il faut que. Eric Clarkson, il faut que je te. Mettre ça de côté. Mon dindin, si tu peux me faire un copier-coller, me l'envoyer sur. Sur le téléphone. Parce que là, ça défile trop vite. On va faire ça. On va faire ça. Alors, bas, 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 bas. 1, 2, 3, 4. Gauche. Haut, haut, haut. Gauche, gauche, gauche. Et là, tu reviens. Droite. Allez, non, je peux pas revenir à droite à partir de là. J'en appelle au pouvoir mystique de la Solus. Si quelqu'un peut trouver sur internet un couillon qui a fait ça avant nous et qui a réussi à joindre les deux bouts, ça m'intéresse. 4 fois bas, compte pas celui où tu es. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tu vas fâcher, tu vas ça. 4 fois bas au départ, ok. Comment faire? C'est là où je vois que j'ai bien besoin de mon Tim Marsan et de mon dindinx pour me soutenir dans ces moments-là. Hop, 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 on reviendra après. Hop, 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 hop. Mais non. Mais non, je suis coincé pour ne pas dire un gros mot. Ah la vache! Eurixis a l'air d'avoir une bonne idée de la situation. Je recommence. Prends la solution de Eurixis. Cette musique va me rendre dingue, oui, je te comprends. Ah, Eurixis, ça y est, je t'ai trouvé. J'arrive à bloquer. Ah, j'ai mon PC qui vient de s'éteindre, je sais plus le. Ah voilà, très bien. Alors, Eurixis dit bas, 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 gauche, haut, 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 gauche, 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 droite, droite. Ah merde, c'est redescendu. Ah merde, j'arrive pas. J'arrive pas à remonter dans le scroll, enfer et damnation. J'ai pas pris ma souris. Ah merde. Ah merde. Voilà où j'en étais. Alors, attendez, voilà, tout le monde a la solution. Ah ça y est, mon dindinx m'a envoyé. Un truc bien. Merci mon dindinx. Merci mon ami. Oh là là, que ferais-je sans vous les amis. Alors, allons-y. Donc la solution de dingue, je ne sais pas si la sienne ou si la prend emprunte à quelqu'un. On s'en fout, ça va marcher. Alors, bas, 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 bas. Gauche. Haut, 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 haut. Gauche, gauche, gauche. Droite, droite, droite. Bas.
pas que j'ai bien fait le truc. Merde. Ah, je sais pas du tout. Comme je regarde pas ce que je fais à l'écran. Allons-y. Donc, au début, ça commence par du bas. Ensuite, gauche. Ensuite, haut. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 3 gauche. 1, 2, 3. 3 droite. 1. Et je peux pas revenir. Je peux pas revenir sur la droite. Ça ne marche pas, mon index là. J'ai pas le droit de revenir sur mes pas, en fait. Voilà. Je crois qu'on est plus que 8 sur le stream. Je pense que tout le monde va s'enfuir après ce truc. Ce que je comprendrais tout à fait. Je vous en voudrais pas. Ouais, c'est bien, hein, mais faut avoir le temps de se concentrer. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Je sais même pas comment j'ai fait. J'étais guidé par une sorte de lumière d'instinct. J'ai pris le début que Zindax m'avait donné. Après, j'ai improvisé. Ah, tout ça. Ah, pour avoir une guirlande. Merci, mes amis du chat. Heureusement que je vous ai. Ah. Ça nous a donné quoi? Une petite chouette. Allez, on va l'échanger. On va lui amener une femelle, il va être content. Eh bah, les amis, Mazel Tov, oui, merci, Jade. Il y a de quoi. On va fêter ça. Je propose même qu'on décrète un jour férié. Tous les jeudis, je sais pas combien on est, 12. Ah bah non, j'ai une petite chouette pour toi. Peut-être si je la mets sur la branche d'en face. Ça va le faire venir. Ah, sur la balançoire, tu as raison. On va faire l'équivalent sur la petite balançoire. Voilà. Et on va la pousser. Ah. Maître Corbeau sur son arme perchée tenait en son bec à fromage. Ah, d'accord, ça fait la même chose. De ce côté-là. Tiens, bah donne-moi ça, toi. Ah là là, magnifique. Ah, merci les amis. Hein. Franchement, c'était chaud patate, cette énigme. C'est le genre de truc, je pense, quand on est tout seul, qu'on a que ça à foutre. Ça doit aller quand même un petit peu plus vite. Mais moi, déjà, je pars avec... on va essayer de dire vos vannes entre-temps. Ça n'aide pas la concentration. Et puis voilà, faudrait vraiment être uniquement concentré sur ça. Et c'est pas facile. Et ben, j'espère qu'on va pas trop tomber sur des énigmes comme ça, parce que là, on a passé quasiment une demi-heure sur juste cette énigme. Ça reste quand même sympa, ce jeu. Mais en vrai, il est long, ce jeu. Mais oui, Millie, ça fait déjà une demi-heure pour une énigme. T'imagines la durée de vie de ce truc? C'est incroyable. Il manque une pièce. Comment ça, il manque une pièce? Mais non. Mais non. J'en avais déjà deux. Il m'en manquait plus qu'une. C'était celle de la petite chouette. Il ne me l'a pas donnée. Je n'ai pas ramassé. Autant pour moi. Ah, puis alors, faut faire tout le tour. Scareface. Pile ou face. Il l'a pas lâché, j'ai pas regardé. Ah, il l'a pas lâché, ok. On va chatouiller un peu. Ah ouais, j'ai cru que je l'avais, mais non, pas du tout. Ah, il la rattrape à chaque fois. Ok, et je vais aller continuer à secouer la balançoire là-bas. Peut-être que ça va lui faire quelque chose. Reclique sur la petite chouette. On est d'accord, Ragnarok. Ok. Bing. Tiens. J'adore le petit regard qu'il a eu sur le côté. Je suis fier de mon cosplay, j'ai vraiment les mêmes lunettes que lui. C'est la même forme. Je suis trop fort. En fait, pourquoi j'ai mis ces lunettes? J'ai eu la flemme de monter dans le grenier. En fait, je suis monté dans le grenier où j'ai tous mes costumes de Retro Game One et j'ai récupéré la cagoule. Et après, je suis redescendu, je me dis « Ah merde, j'ai oublié les lunettes !» J'ai plein de lunettes là-haut. Et j'ai des lunettes qui sont pas des lunettes de vue, évidemment, c'est des lunettes sans verre ou des trucs comme ça. Et je me suis dit « Oh, j'ai la flemme de monter, tant pis, je prendrai pour la photo, je prendrai mes vraies lunettes. » Et puis, j'irai chercher ce soir des fausses lunettes. Sauf que j'ai encore eu la flemme ce soir. Donc me voilà avec mes vraies lunettes. Mais le cosplay parfait. Oh non! Qu'est-ce qu'il faut faire?
un morpion, un backgammon, je ne sais pas jouer à ça. C'est un morpion, faut aligner trois pièces, c'est ça? Un solitaire? Ah, là, ça, là, par exemple, je peux lui croquer ça, c'est ça? Normalement. Je peux bouger chaque pièce, visiblement. Voilà, ça j'ai le droit de le faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'aligne trois trucs? On ne saute pas pièce de gauche à gauche. Ah ok, vous aviez un plan les amis. Ah, moi je pense qu'il faut que j'aligne trois trucs, c'est comme au morpion, non? Ouais, c'est ça, ça sent le morpion cette histoire. Ouais, c'est ça, il a gagné, donc c'est ça. Non, genre, t'as pas de cerveau, mec. Ok. Oui, bah déjà, fallait que je comprenne les règles. Alors, lui, comment... Moi, je pense, dans ce truc-là, faut toujours prendre le milieu. Voilà, il est obligé de trouver ça. Ouais, évidemment qu'il va aller au milieu, bien sûr. Et là, si je fais ça, il m'attrape, là, sur le côté. Oh, il est malin. Mot qu'on double. Oh, le sale morpion. Bon, bah, dans 30 minutes, on y est encore. Oui, c'est vrai. Alors là, les amis, évidemment, ça va dépendre de ce qu'il fait. Ah, ça, c'est bien pour moi, ça. Si je me mettais là. Après, j'attends qu'il dégage et je me remets au milieu dès que... À un moment, il va être forcé de... Ou pas. Il va être forcé de lâcher le milieu, quand même. Ah, le mec, Jésus, là. Je lui mets la pression. Ah! Je te tiens! Regardez-moi ça, cette belle stratégie. Blim! C'est qui a pas de cerveau? Ah! Dégage, j'ai l'air de dire, très bien. Eh bah super. Non, comme quoi j'ai quand même un cerveau. Il est pas gros, c'est comme les dinosaures. Moi je suis un dinosaure du jeu vidéo. Donc. J'ai le cerveau de la taille d'une noix. Le petit truc rouge qui s'est barré. Donc, vous avez vu qu'il y a des chapitres, non? Vous avez pas vu, mais quand on sauvegarde, ça veut dire qu'il y a des chapitres. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et donc on a même pas fini le premier. Hein. En tout cas, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve bien sympa. Il est cool ce petit jeu. Ça me donne envie de refaire des jeux d'aventure avec vous. J'ai récupéré Edna et Harvey sur Xbox. Ça va peut-être pas mal qu'on le fasse ensemble. On va voir. On va se faire Last of Us évidemment la semaine prochaine, avec grand plaisir. Et peut-être qu'on le fera en plusieurs épisodes, parce que ça va être un bon jeu, et en même temps ça va bientôt être les vacances, on arrive à la fin du mois pratiquement. Oh, on aura un nouvel environnement incroyable, ou un Monkey Island, ah oui. Ouais, mais on connaît par cœur Monkey Island, je suis pas sûr que ce serait presque trop facile. Quoi qu'en même temps, c'est loin dans ma mémoire. Peut-être un Monkey Island. Ah, j'ai trouvé une prise électrique. Là, il faudrait des palmes, masque, un tuba, ok. Pour pouvoir croquer l'hameçon. Bonjour. Ils sont fous, ils sont son portable. C'est drôle. Alors, est-ce que je peux rebrancher ça, là, visiblement? Mais oui. Ah! J'ai branché plein d'écrans. J'aime bien quand le personnage parle. Ral, son langage me fait rire. Oui, tout à fait, Tigre, ça me rappelle... La Linéa, vous avez peut-être connu les plus vieux comme moi et Dindinx qui ont connu Casimir. Avec ce petit bonhomme qui était juste une ligne dessinée sur une autre ligne. Il n'y avait jamais autre chose que ça. Et qui parlait en faisant badoum 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 badoum. Je pense qu'il parlait italien et je suis pas sûr que ce soit du vrai italien. Il devait... C'était une sorte de faux italien. Ah, alors je peux changer les écrans. Ah ok, c'est une sorte de... Comment on appelle ça? Faut faire des couples. Ok. Ah, lui, il était là.
Lui, il était là. Oh bah non, je l'ai vu tout à l'heure. Mince. Il était là. Oh, ça change à chaque fois. Oh la vache. Chaussures. Chaussures. Ah, j'ai eu de la chance. Burger. Aspirateur. New. Dollar. Dollar. C'était là. Lui. Ça sert à rien. Non. Burger, burger, c'était où? Là, hein. Oh la vache. Alors là, je peux compter que sur moi-même parce que. New! New, c'était par là, hein. C'était là? New était tout à gauche au milieu. Bah là, on y est. Voilà. Et le deuxième New, il était là, non? Dites-moi oui ou non. Ça attend. Oui, Milly, ok, moi je fais confiance à Milly. Parfait, merci Milly. Ok. L'aspirateur, est-ce qu'il n'était pas là? Ou là? Il me semble qu'il y avait un aspirateur ici, non? Kiba dit non. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour cet endroit? J'ai encore deux chances. Ah, je peux pas me voir. Dans le placard. L'aspirateur dans le placard. Merci, j'ai des plombiers. On sait pas trop hein, pour l'aspirateur. On va essayer autre chose alors. Oh, j'ai plus beaucoup. Alors, elle, par contre, elle est là. On est d'accord? Non, là, c'est l'autre qui a un peu la même tête. Alors, peut-être ici. Non, bouteille. Oh la vache, tout est à refaire. Bouteille. Ok, tout est à refaire. Oh, c'est chaud! Bouteille, et ici, c'était quand? Je sais déjà plus. Est-ce que c'était pas autour d'avant? Ok, je vais pourrir toutes mes chances et on va tout refaire à zéro en me concentrant bien. Ok, on a droit à 6 erreurs. Voilà, allez, on repart, on y va. Si quelqu'un peut noter, commence par les deux. Voilà. Alors, aspirateur, burger. Vous avez noté? Aspirateur, burger. 20. Aspirateur, burger, 20. Ok. Oh la vache. Aspirateur. Chaussure. On l'a vu ou pas? Oh. Je sais plus. On l'a pas vu. Ok. Oh bah la voilà. Elle, on l'a vu? On l'a pas vu elle. C'est pas facile d'aider, ouais, je suis d'accord. Oui, on l'a pas vu. On est d'accord qu'on l'a pas vu. Burger. Burger. Dollar. On n'a pas vu dollar encore. New. Oh, dernière chance. Le poisson Ted. Ah, genre c'est par là. T'es sûr qu'il aide le poisson? On recommence. Non, non, je crois que le poisson il fait rien du tout, non? Pour le burger, on va voir que ça se trompe jamais. Ok. Bon, là on va les noter, les amis. D'accord? Je compte sur quelqu'un. On va dire ça c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. D'accord? Alors allons-y. Ligne 1, dollar et new. Russo va noter. Ligne 1, dollar et new. Et sourire. Dollar, new, sourire. C'était la ligne 1. Ouais, fille, très bien. New, très bien. New et new. Burger, ah, le voilà. Aspirateur. Ligne 2, burger, aspirateur. Lui, on l'a pas vu. Donc on va dire souris. Et dollars. Dollars, on les avait vus? Je sais déjà plus. J'ai vraiment une mémoire hyper courte.
dollars, on l'a pas vu. Hein. Ok. Première ligne, le dollar. Oui. Ce serait ça. Là, là, c'est le dollar. En premier dollar. Dollar et dollar. C'était bien là. Hein. Attention. 1, 2, 3. Nous attaquons la quatrième ligne. Ah ! La souris, on l'a vu. Je crois qu'il est là. Hein, c'est ça. C'est-à-dire ligne 3. Le premier de la ligne 3. J'adore ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Juste à côté. Donc c'est ça. Ligne 3. Oui. Vous dites oui. Vous dites oui. Voilà. Ok. Là, on n'a pas vu encore. 20. C'est nouveau le 20. Donc 1, 2, 3. Ligne 4. Nous avons du 20. Burger. Est-ce qu'on a vu le burger? Je ne me souviens plus. Oh, on a plus trop droit à l'erreur. 4 souris, 20. Burger, on l'a pas vu. Ligne 1, le burger. Ligne 2, 2. Ligne 1. Deuxième de la ligne 1, le burger. Ce serait là. C'est la troisième de la ligne 1. Ligne 2 en 2. Ça, ce serait le burger. Oui. Et donc, il est là, on est d'accord. Ça, on n'a pas vu. Aspirateur, on l'a vu l'aspirateur. Je crois qu'il était là. Hein. Aspirateur, les amis, je compte sur vous. On est à deux doigts du succès. Non, 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 non. Sous le burger, ok. Donc ligne 2, troisième position, c'est ça. Ce serait ça l'aspirateur. Maman Marcus, non, faut lui dire que non. Florusso, tu avais noté pour l'aspirateur? Milly dit oui. Qui croire? Foliette dit oui. Ok, allez. Ouais, bien les amis. Allez, on attaque. 1, 2, 3, 4, 5, ligne 6. Chaussure. On n'a pas vu la chaussure encore. Ok. Ah, sourire. Sourire, on l'avait vu. Oh non, c'était notre dernière chance. Oh la vache. Oh la vache. Trop de fait là. Alors, est-ce que le poisson donne pas effectivement un indice? On renote. Oh la vache. Alors on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème ligne. 7ème ligne, c'est une bouteille. C'est noté. Et je vais repartir du premier. Aspirateur pour la première ligne. Bouteille. Oh, parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bouteille, c'était là. Parfait. Ah, on a un peu plus de chance. Burger. Et voyons, burger ici. Ligne 1, burger. Hop. New, ça ne marche pas. Ok. Vous avez noté, ligne 2, new. Aspirateur. Ça, je mélange d'un truc à l'autre. On l'a pas vu. Commence par la TV isolée, puis ceux avec le plus, ce sera plus facile. Ah ouais, peut-être. Sourire, ok. Aspirateur, sourire. Oh, c'est chaud. Ligne 3, burger. On l'a vu le burger, non? Est-ce que quelqu'un a vu le burger? Oh, ça, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est terrible, c'est affligeant. C'est affligeant. Première ligne, en haut ou en bas? Je sais plus, j'ai plus ma tête. En bas, Pixel, il dit. Ouais, merci, Pixel. Ok, on attaque cette ligne. Chaussure, on l'a vu la chaussure. Je crois. Pas une chaussure par là. 1, 3 pour la chaussure. Non, ça c'était le burger d'Andrax. Ok. Est-ce qu'on a noté la chaussure? Je la verrais bien en ligne 2, la chaussure. 23h30, le cerveau ne peut plus faire du vocal. Plus que 3 chances, bordel. Je pense que la méthode de commencer par la droite est mieux, effectivement. On est 130, chacun retient une case. Pas encore sorti la chaussure, très bien. Alors, voyons si elle est là. On attaque la ligne 4. Non, oh là, on n'a pas de bol en plus. Les dollars, on les a pas vus les dollars.
Vous avez noté 4 des dollars. Oh la vache, on a plus beaucoup. Ah, la chaussure. Elle était là. Non. Oh merde, 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 merde. Bon. Bon, c'est de ma faute. Oh, les dollars. Bon, bah ça y est, c'est fini. Bon, essayons la méthode Tigra qui consiste à partir de ce bout-là. Donc ça, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. On renote, mon Florisso, c'est parti. Oh. Personne ne va se coucher, je vous préviens tout de suite, personne ne va se coucher tant qu'on n'a pas résolu cette énigme. Je sens que c'est la dernière en plus. Alors allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne, ce sont des dollars. 8e ligne, ce sont des dollars. Ah, voilà, ça commence mieux tout de suite. 7e ligne, New. 6e ligne, Burger. Ok, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Chaussure, pas de bol, on l'a pas vu. Burger, burger, on l'a vu. Et il était là le burger, non? Donc là, j'ai un burger. Et on a vu un burger par là. 1, 2, 3. 6e ligne, c'est ça? Burger en 6. Parfait. Ça, on a vu. Allons-y. Aspirateur, on l'a vu. C'était là, je crois. Aspirateur, vous dites quoi? Moi, je dirais ligne 4. Oh la vache! C'est laborieux ce jeu. Hein. Ligne 7, le burger. 4. Aspirateur, demande à ta femme! Non, on l'a pas vu, on l'a pas vu l'aspirateur. Donc on va regarder en bas là ce qu'il y a. Ah, sourire, on l'a pas eu non plus. Bon, on devrait pouvoir y arriver quand même. Donc sourire en bas, on est à la ligne 3. Aspirateur et sourire. New. On l'a vu, New. New à côté de dollar. Ce serait ici. On est d'accord. 7, la ligne 7. Bravo les amis. Allez, on continue. On le tient là. La droite de foot. Chaussure, on l'a vu la chaussure. Chaussure, chaussure, je dirais par là. Moi. C'est ça, memory, c'est qu'il faut avoir de la mémoire en fait. Chaussure. Chaussure, 7e compagnie. C'était une blague, c'était pas. En bas de burger, ici la chaussure, donc vous dites ligne 5, 1, 2, 3, ligne 5, sous le burger, oui, tout le monde d'accord? Oh, c'était pas ça, on n'a plus le droit à l'erreur les amis, lui, il est là, ça y est, maintenant on joue vite, on n'a plus que ça à faire, sourire, on l'a vu sourire, est-ce que c'était pas sous le burger? Oh. Allez, on peut y arriver. On peut y arriver. Non, c'est pas foutu, Mili. C'est pas foutu. Ligne 3, le burger. Le sourire. Là ou là? En haut ou en bas? Sous l'aspi, le sourire. C'est-à-dire là. C'est ça? Ligne 3, le deuxième. Ok. Ouf. Attention. C'est là que ça va tout va se jouer maintenant. La bouteille, on l'a pas vue. Et donc, elle est forcément en dessous. On est d'accord? Salut Arnaud le Gravier. Travaille à EDF. On est d'accord? Oh, on est d'accord. Donc maintenant, on sait tout, non? Chaussure. Où était la chaussure? Ça là, c'est faut pas se gourer, faut pas m'enduire d'erreur, les amis. Sous le burger, ici. Donc la chaussure, on est d'accord que ce serait la ligne 4. Non, maintenant on sait tout ça qui bat. Oui. Oui. Et donc ces deux-là sont ensemble. C'est l'aspirateur. Oh. Eh bah. Attends, c'est quoi ça? Le stress monte. Et là, faut que je choisisse un truc. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça?
J'ose plus rien toucher, les amis. J'ose rien toucher. Le caca, que faire? Bon, le requin, ça m'inspire. Je choisis le caca. Y a pas grand chose à faire. Ah bah juste je pouvais sortir, ok. Et les symboles à mon avis vont servir là, ce qu'on a vu en bas. Oh là 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 là. Non mais attends, c'est un rébus. Attends, ils se parlent. Ah, ils s'envoient des textos. Ils s'envoient des textos. Singe, smiley, smiley, poulpe. Singe, smiley, smiley, poulpe. Ah, ils se répondent la même chose. Alors. Lui, il dit chat, doigt, croix, caca. Smiley, cœur. Smiley, cœur. Ok, il répète. Il répète la même chose. Ah, et il renvoie à chaque fois. Et lui, il répond en fait. Ok, il s'envoie les messages. Singe, smiley, smiley, poulpe. Singe, smiley, smiley, poulpe. Ok, et il répond. Chat, main, croix, caca. Chat, main, croix, caca. Ok, donc on voit ce qui s'envoie. On voit ce qui s'envoie. Est-ce que je peux les perturber dans leur petit manège? Alors, moi, je peux changer cet écran. Et je peux... Je peux sûrement leur proposer des emojis. C'est quoi, ça? Ah, je peux passer à côté. Bon, allons voir ce qu'il y a à côté. Ah, merci, je vois que j'ai des SMS. Merci, les amis. Ah, lui a récupéré mon truc. Ah, je suis bête. Là-dedans, il y a un tuyau. On ne peut rien y faire. Ici, il y a une télé. Et on va parler à ce monsieur. Est-ce que je peux récupérer ça? Eh ben, ça, c'est de l'aventure de bureau, les amis. Hein. Tigra qui s'en va. Bonne nuit, ma Tigra. Merci vraiment pour le coup de main. C'était super de vous avoir avec moi. Là, vraiment, c'était indispensable. Tout seul, je pense que j'aurais bien tourné en rond sur plein de trucs. Bon, lui, il scroll, et lui... Ah, il lui dit, donne-moi le petit machin, il lui dit, joue-moi de la musique. Ok. Lui, ne répond pas. Ah, merde. Ok. Et on peut regarder dans ce tuyau, mais on ne peut rien y faire. Ah! J'ai branché la télé. Eh, hey, regarde la télé! C'est tout. Est-ce que là, je peux regarder? Il se passe quelque chose maintenant que j'ai branché la télé? Non. Je retourne à côté. Règle l'antenne. Ah, c'était une bonne idée. Ah, c'est Arnaud. Merci, Arnaud. Je suis pas sûr qu'on puisse toucher l'antenne. Je vais voir. Eux, ils continuent de s'envoyer des SMS. C'est les télé-teubés. Oui, c'est vrai, Geek Rivers. Alors, est-ce que cette antenne est réglable? Mais oui! Oh, merci. Ok, et j'obtiens des trucs différents. Oh, sumo. Éléphant. Ok, ça, je cycle entre tous ces trucs. J'ai l'impression qu'il s'en fout, quoi que je fasse. Un encre. Je sais pas quoi lui montrer. Règle en clan sur Game One, excellente idée. Excellente idée. Ah, il a pêché une chaussure, il se demande bien pourquoi. Le code des smileys a peut-être un sens pour les images. Est-ce que là, faut pas que je raccorde avec l'autre côté? Astico, appa, sous perso requin pour pêcher. Ah, ok, je peux soulever la télé. Mais faut faire le truc le moins lourd. Une tonne, c'est très lourd.
Un sumo, c'est très lourd. Un ancre, c'est moins lourd. Ah, ok. Une plume, c'est très léger. Voilà, c'est drôle. Ah, ok, j'ai coulé le mec. Ah, très bien. Parti au loin. Ah, et j'ai vu avoir un masque et un tuba. Donc ça, c'est le premier mec qui voulait qu'on ait un masque et un tuba. On va retourner le voir. Et voilà, pas bête. C'est drôle, c'est drôle. Alors, je regarde, pendant ça, j'ai reçu un SMS avec les meilleurs pseudos, les meilleurs vannes. Ce soir, pour les meilleurs pseudos. J'avais nominé Milly Zoli. Je trouvais que c'était Zoli, son petit pseudo. J'ai nominé l'âne potro, qui doit être l'équivalent bien membré de l'âne trop, j'imagine. Il y a une poutre à la place. Et Kiss My Astre, je l'avais pas vu celui-là, mais il est très bien. Et Dark Maul. Oh, c'est très bien. Ah là là, il y a du lourd en pseudo. Ah là aussi, il y a des emojis. On va faire gaffe. Je vais aller me baigner, on va voir ce qui se passe. Oh, c'est dur de choisir là ce soir, les amis. Eh ben, vas-y, attends ton masque et ton tuba là, profites-en. Pourquoi il est ressorti? Retourne-y, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà. Là, je le mets. Et je peux tirer sur l'hameçon, peut-être. Attendez, on va découvrir. Oh, des fonds sous-marins! Et un petit poisson qui s'en va. Je pense qu'il faut que j'attrape ce poisson. Ah, là j'ai ouvert ça, mais je suis sûr que dès que je vais me déplacer, évidemment ça va se refermer. Je peux prendre cette cassette VHS. Et peut-être si je mettais un truc lourd dans la télé, ça viendrait obstruer ça. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Sauf que je n'arrive pas à mettre cassette VHS. Ah, je peux prendre l'hameçon. Et peut-être le relier à l'encre. Voilà. Et maintenant, tout ça là, je voudrais l'amener là. L'hameçon avec l'encre. On est d'accord sur le principe, les amis. Est-ce que ce bouton fait quelque chose? Oh, ça y est, encore un truc bizarre. Ah ok, c'est un code à trois chiffres. Non, deux trucs. Mais des trucs qui ont un rapport avec ça. Le bébé, la tétine par exemple, s'il y avait une tétine. Ça c'est une tétine. Non, c'est pas ça. Ok. Spermato à droite. Il est là? Et quoi? Les papillons, les... Non, c'est pas ça. Tétard est supérieur à grenouille. Un jouet pour le bébé. Oh là là, attention, ça a changé. Oh, des trucs qui vont avec chacun. L'homme fait du vélo. Oh la vache, ça va être encore compliqué ça. J'ai pas fini de nominer les pseudos. Je vous laisse réfléchir à cette énigme pendant ce temps-là. Franchement, donc j'avais Milly Zoli, c'était mignon. L'âne Potro, c'était très drôle. Kiss My Ass, très bien. Et Dark Maul, tout ça, c'est très bien. J'ai envie de voter pour Milly Zoli, parce que je crois qu'on l'avait pas vu avant. Et que voilà, pour lui souhaiter la bienvenue, Milly. Allez, Milly, ce sera pour toi. Le petit cahier d'écolier, d'écolière. Pour ce joli pseudo que tu as trouvé et qui est bien mignon, ma foi. C'est pas forcément le plus drôle, mais il est mignon, ça me va. Donc il faudrait compenser la kawaiitude aussi de temps en temps. Voilà, je vais t'envoyer ça. Tu vas prendre contact avec notre dindinx. Tu vas donner ton adresse et puis je t'enverrai ça par la poste. Et il va y avoir la meilleure vanne. Est-ce que vous avez trouvé la résolution de cette énigme, les amis, pendant ce temps-là? Donc, un homme, un chien. Un homme, un chien. Que choisir? Moto-voiture. Ouais, je fais confiance à Arnaud. Moto-voiture. Pourquoi? Pourquoi? Moto-voiture. Ah, c'est terrestre. Ok. Tasse et une table. C'est quoi le rapport? C'est pyramide. Ouais, Kaboulox là. Oh, une tasse et une table. Ça, c'est un truc à sucre, non?
Une tasse, c'est du liquide. Et ça, c'est une casquette ou c'est un petit truc pour mettre les sucres? Deux pattes, deux roues, quatre pattes. Ah, ça se tenait aussi. Casquette et tête. Ah, c'est une casquette. Et pourquoi? En même temps, on lui a fait confiance tout à l'heure, Arnaud. Je vais le faire. Oh, tu nous expliqueras pourquoi. Bon, ok. Arnaud a trouvé le truc, visiblement. Encre et rame. Encre et rame. C'est un bateau. Un bateau peut y avoir un volant, une fourchette, un accélérateur, un couteau. Pédale de frein et volant. Volant et frein. Mais pourquoi, les amis? Ah oui, parce que la rame accélère. Donc le volant et le... Et dans cet ordre, il y a l'ordre en plus. La rame, oui, c'est pour conduire, pour avancer. Et ça, c'est pour freiner. Ah non, c'était pas ça, les amis. Ah, retour du chien. Donc là, vous aviez raison. Voiture et moto. Genre deux roues. Alors là, il me propose d'autres choses. Et pas les mêmes que tout à l'heure. Il y avait bien pédale. Le frein freine l'ancre. Le frein freine l'ancre. Ah oui, mais le bateau, ça avance pas vite comme un escargot. Voiture et frein. Genre, c'est des véhicules. Je crois que je l'ai. Accélérateur et voiture. Genre, c'est un véhicule, quoi. Il est question d'un véhicule. Non, c'était pas ça. Limace, coquille, ce sont les deux seuls. Alors là, on a compris que c'était voiture et moto, mais on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas expliquer pourquoi. Escargot et limace. Oh! Alors, je vous laisse réfléchir, je regarde les meilleures vannes dans ce temps-là. Alors, les amis, les meilleures vannes, nous avions. Est-ce qu'il y a des vannes nominées d'office à Stevens qu'il avait fait à l'avance? Et on avait nominé cette vanne d'office, c'est une bonne guerre, c'était très bien. Happy Birthday! Ça, c'était très bien aussi. C'était moche, mais c'était bien. Demande à Clo-Clo, l'électricien, bien sûr, elle était facile, mais ça marche toujours. C'est la rédac depuis Gadget, ça, elle était très bien pour toute la rédac qu'il y avait. C'est un Carlos Ghosn. Ça, c'était vraiment drôle. Pour l'Octogone, le Pentagone, etc. Et Michel Sapin, François Hollande, c'était très drôle aussi. Vraiment. Et se payer un morpion et un ver solitaire après un taquin, c'est pas de vol. C'est vrai. Oh là là, il y avait du lourd cette semaine, comme d'habitude. En plus, c'est des habitués. Là, je vois les noms des auteurs et c'est des habitués. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aura forcément déjà gagné, parce que je crois que tous, vous avez déjà gagné. Qu'est-ce qui était le plus drôle? J'avoue que la vanne nominée d'office, Vince a vraiment dégainé très très vite. C'était drôle. Et c'est la rédac de Pif Gadget. Franchement, c'était bien vu ça. Ouais, allez, c'est la rédac de Pif Gadget. Franchement, ça marchait bien. Et c'était Seb Meister. Donc Seb, c'est pour toi le cadeau cette semaine encore. Je pense que tu l'as déjà eu. Mais voilà, Seb, bravo pour la rédac de Pif Gadget. C'était tellement bien, bien vu. C'était parfait. Alors, pinceau et pot de peinture. Pourquoi? Le pinceau, clou et marteau. Marteau et clou. Marteau et clou, tout le monde est sur marteau et clou. Donc, genre, ça bricole, quoi. C'est la thématique. Faut des trucs qui sont dans la même thématique. C'est ça. Donc, dans la thématique du bateau et de la rame, il y aurait la voiture et l'accélérateur, non? Je pense. Mettrais ça, moi. Voiture accélérateur. Ou la porte, le voyage. Voiture accélérateur, tout le monde est d'accord. Non, tri-triton dit porte et serrure, on sait pas trop pourquoi. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure on a fait ça, c'était pas ça. Porte et serrure. Genre on s'évade, quoi. Ou les deux escargots, ça va pas vite un bateau. Et c'est vrai qu'on a déjà fait ce choix. Bon, porte et serrure ou les deux escargots? Ou alors voiture et escargot, genre ça va pas vite. Porte et serrure, vous êtes... Ah bah c'est partagé. Je vais essayer porte et serrure. Ouais! Je sais pas pourquoi. Et là, ancre et rame, on avait fait accélérateur et volant, c'était ça, hein?
tout faux, dit Kira. Franchement, c'est pas facile. Volant et frein, on est d'accord? Ça avait marché ça tout à l'heure? Je vois pas pourquoi ça, j'ai rien compris. Ah non, non, que c'était pas ça ce coup-ci! Ah merde, je comprends pas ce jeu! Oui, le plan, moi aussi, la logique m'échappe par moment. Cadenas et portes, ça y est, on en est plus là, Millie. Mais je comprends, il y a un décalage avec vous, avec ce que vous voyez, vous, évidemment. Grenouille était tard. Genre, c'est des enfants. Ah oui, bien, ah là, oui, oui, d'accord, Grenouille était tard. C'est un enfant et un adulte. Oui, bien joué. Ah ouais, ça c'est bien, voilà, ok. Oh, c'est un truc qui fait du bruit, ça. Cloche et je sais pas quoi, une note de musique. Donc on a un harmonica. Peut-être la voiture qui klaxonne. Rasoir et lame. Ah, les deux vont ensemble, ok. Le rasoir et la lame, c'est comme la cloche et le... Ouais, très bien, très bien. Oh là, Arnaud, t'es trop fort. Oh quoi, non, c'était très bien ça. Bon, là, on sait que c'est ça. Au moins, on avance. Là, on sait toujours pas. Donc, ce serait les deux escargots. Je crois que c'est la seule combinaison qu'on n'a pas essayé. Bah, c'était pas ça. L'homme et le chien, c'est le vélo et l'auto. Mais on n'a pas compris pourquoi. Alors, ça n'était pas les deux lames. Ah, bah, c'est l'escargot et sa coquille. Oui, bien sûr. Bien sûr. Celui-là, on l'avait trouvé. Tu avais dit casquette et le gars. C'est ça. Hein. Mais j'ai pas compris pourquoi. La tête et la casquette souvent ensemble comme la table et la tasse. Ah, la tasse se pose sur la table comme la casquette se pose sur la tête. Wow. Bon, les amis, on a toujours pas trouvé celui-là. Le couteau, la fourchette, les deux outils du même truc. La rame et l'ancre, c'est les deux outils du bateau, comme le... Ouais, en même temps, ils sont toujours, ils marchent tous par deux. Le couteau, ancre. Le couteau, ancre mer. Porte et serrure. Porte cadenas. Les deux vont ensemble. Moi, je dirais couteau fourchette. J'en sais rien, dit Lilith. Je suis d'accord avec cette réponse. Allez, couteau fourchette. On tente. Volant frein, on l'a déjà fait. Ah là, la vache. Ok, alors celui-là, on le connaît par cœur. Tétard grenouille. Ah, du nouveau. Une prise et une fermeture éclair. C'est ça? Fermeture éclair, cadenas. Pff, wow. Ça fait de la lumière, la prise électrique, quand on allume. Non, c'est un bouton. Ah, un bouton. Ok, un bouton de manchette. C'est un bouton, pas une prise. Les deux cadenas. Les deux se ferment. Ouais, le bouton, c'est pour fermer. Il fait de l'apnée, champion du monde. C'est vrai, rien du plombier. Depuis tout à l'heure. Ah, merde, c'était pas ça. Bon, bah, ces deux-là, on les a. Hein. Ces deux-là, on les a. À force, on va tous les connaître. Alors ça, on n'a toujours pas trouvé. Porte et serrure, je crois qu'on l'avait essayé. Je crois qu'on l'a déjà fait pour tes serrures. Hein. On va passer des heures sur la même énigme. Mais je vois pas d'autres propositions. Alors, c'était porte et serrure. Ah ouais. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Ah là, on avait trouvé marteau et clou. Hein. Les deux vont ensemble, comme peinture et pinceau, c'est logique. Mais pelle et trou, après tout, vont très bien ensemble. Ah! Très bien. Tout ça pour ça. Oh bah merde alors. Est-ce que maintenant je peux appuyer sur le bouton au moins? Rien du tout, oui. Poire et cahuète. Est-ce que si j'appuie là, ça reste ouvert cette fois? Est-ce que d'ici je peux taper là-dessus? Ah, il va là-dessus. Il va là maintenant. Est-ce que je peux décrocher cet hameçon? On a gagné, j'ai rien compris. Ok, Florusso. Je suis d'accord. Ah ouais, j'ai pas le temps d'y aller.
En tout cas, merci pour votre patience et votre ténacité, les amis. Le poisson peut rentrer, non? Bah ouais, mais j'arrive pas à le pousser plus que ça. Je vais remonter à la surface. Mais l'encre sur le bouton, je peux pas pousser l'encre en fait. J'aimerais bien. Et là, on avait eu. Ah voilà, ces petits logos là. Le poisson, c'est ce qu'on voit en bas. Alors là, je peux peut-être changer la cassette. Maintenant, j'ai la cassette vidéo. Ah, me laisse pas faire. Est-ce que cette antenne, on peut la changer? Non. Ah, là, il y a un magnétoscope. Ils vont faire du sport. Du coup, je peux peut-être récupérer son téléphone. Joli. Et je peux lui envoyer un texto. Alors, eux, ils s'envoyaient genre singe. Ça. Et ça finissait par un petit caca, peut-être smiley. Et caca. Bon, admettons, en voyant ça. Singe, croix, sourire, sourire. Crabe, requin, photocœur. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, mais j'ai ces trucs-là. Crabe, requin, photo, ah ouais, photo, cœur. Je vois pas le cœur. Ah, il est là. Ah oui, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ils font un selfie. Samy, l'anguille électrique à côté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Allez, tous ensemble de gauche à droite. Et maintenant, il y a une anguille électrique qu'il n'y avait pas avant. Oh la vache! Alors, je vais à côté. Ici, il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus rien faire avec ce tuyau. L'antenne, c'est plus la peine. Lui, il veut de la musique. Tu as un autre Marcus de code sur l'autre tableau. Il y a un autre code. Ah oui, c'est vrai. On va aller voir. C'était ce qu'il y avait en bas, hein, c'est ça? Près du pêcheur, oui. Bah, sous l'eau, il y a un autre code qu'on n'a pas fait encore. Alors, allons-y. Ça, on l'a pas fait celui-là. Et celui que vous m'avez donné tout à l'heure, c'est celui qu'il y avait sous l'eau? Pourquoi on ne rejouerait pas la semaine prochaine? Et bien sûr. Bah, on a Last of Us 2 qui est un petit peu mieux quand même. Requin, ouais, c'est celui que vous m'avez donné. Ok, merci les amis. J'en profite pour essayer de bouger cette ancre, mais on est d'accord que je ne peux pas. Ah! Je peux décrocher, je peux le redécrocher. Alors, je vais revenir me mettre là. Ah bah alors maintenant je peux plus... Quand je le décroche, je ne peux plus aller là. Voilà, je peux aller ici, mais... Voilà, et ça je peux pousser par là-bas. Ok. Non, je pense qu'il faut que je change l'écran. Ça c'est le poisson qu'on voit... C'est le poisson qu'on voit sur l'écran en haut. Il faut changer ça, je pense. Il faut un truc plus lourd, genre faut remplacer ça par des haltères ou quelque chose comme ça. Ça, on l'a pas fait ce code. Crâne, pouce en bas, requin caca. Crâne, pouce en bas, requin caca. Et lui, il va recevoir le texto. Crâne, pouce en bas, requin caca. 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 On m'aide en même temps, la musique m'aide. Crâne, pouce en bas, requin caca. Crâne, crâne, crâne.
samba. Requin. Caca. Crâne pouce en bas, requin. Déjà la semaine dernière c'était la chanson des pirates. Maintenant c'est crâne pouce en bas, requin caca. Alors, elle est pas contente que lui ait envoyé ça, dis donc. Tiens, prends cet œil. Il a perdu un œil. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? C'est une loupe. C'est une loupe. Est-ce que je peux regarder ça? À quoi ça sert de changer ces poissons-là? Lui, il a un asticot, là. Il y a un truc à faire avec cet asticot. Il a une prise de courant près de l'aquarium à gauche. Ah, j'ai pas le droit de changer son poisson. Ok. Il y a une prise que je n'aurais pas branchée. Ah oui, t'as raison, ici. Tout droit fait. Ah mais oui, c'est vrai qu'elle est pas son... Oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Allez, on est reparti pour une énigme à la con. Oh. Oh merde, un Simon. Oh. Ça, je suis pas trop mauvais à ça. Alors, on va le numéroter, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allons-y. Donc 2. Ah bah 2 fois 2. Ok. 2, 2, 1. Ça va jusqu'ici. 2, 2, 1, 1. Ça fait au cœur de la lune. 2, 2, 1, 1, 4. C'était quoi le dernier? 4, 5, 6. 2, 2, 1, 1, 4, 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok. 2, 2. 1, 1, 4. C'était moins dur que tout ce qu'on vient de se taper avant, mais... Ah! Alors voilà, tu m'as envoyé ça comme texto. Requin, flèche, poisson d'hamburger. Requin, flèche, poisson, burger. 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 Ah, flèche à droite. Requin, flèche à droite, poisson, burger. C'était ça. C'était le bon sens, la flèche. Requin, flèche à droite, poisson, burger. J'avais bon. Ah, il donne à manger au poisson. C'est n'importe quoi. Ah, bah du coup, je peux prendre l'asticot. Vite.
Haha. Et avec l'asticot, je dois pouvoir attirer. Je vais mettre ça sur l'hameçon. Ah, bah mince, où est mon écran? Oh, c'est pas moi qui l'ai. Ok, il se rassoit. Très bien. Les mecs au téléphone en jeu, j'ai l'impression de rentrer dans ma salle de pause au boulot. Eh ben, on va aller mettre l'asticot là-dedans, là. Au bout du tuyau, là. Va regarder dans le tuyau d'avant. Ah, peut-être, peut-être. Voilà. Et là, l'asticot. Voilà. Parfait, oh, les amis. Non, mais... Incroyable, ce jeu. Incroyable. Oh, encore une prise. Ah, une guitare, on va finir. Ah, bah, évidemment, ça fait peur. Mais j'ai une loupe, là. Pour y voir plus clair. Ah mince. Faudrait pouvoir allumer. On va quand même finir cette énigme, on va pas aller se coucher là-dessus. C'est tellement what the fuck wiki va. Oh, on a connu pire en même temps, non? Souviens-toi de Wattam où c'était des caca qui mangeaient d'autres caca et qui devaient les chier en... pour les transformer en or. Enfin, vraiment, on a tout eu. On a tout eu. Il fallait mettre l'œil dans le tuyau. Ah, pour regarder. Oui, c'est pas bête. Oh là là, mais vous êtes des génies. Mais merci, Eurexis. Tu m'as bien aidé déjà tout à l'heure, toi. Vraiment, voilà. C'est sympa, je trouve, faire des jeux d'aventure avec vous. Alors, c'est lent pour avoir du temps, mais je trouve ça cool. Ce jeu donne la pêche. Oui, il est rigolo. Franchement, il est rigolo. Et puis voilà, c'est un petit truc que vous pouvez trouver sur votre portable. Qu'on peut faire. Alors. Ah. Ça, c'est. Pou, anguille et. Pou, anguille et hippocampe, on va dire. Il y a un truc à faire avec ça. Pou, anguille, hippocampe. Et ça, c'est sur l'écran d'avant. Pou, anguille, hippocampe. Ça devrait rétablir la lumière. On a commencé à quelle heure déjà? J'ai plus la notion des enfants. Oui, c'est vrai que je te comprends mille. Alors allons-y. Pou. Anguille et Pocan. Alors allons-y. Pou. Voilà. Je peux valider ça en appuyant là. Ah non, ça change à chaque fois. Anguille, c'est ça. Hippocampe, c'est celui d'après. Comment on les bloque, ces trucs-là? Pou, voilà. Alors, chaque fois que je vais là, ça change d'un cran. Il est minuit, l'heure du crime. Je suis désolé. On a raté la conférence PlayStation, les amis, à cause de ça. Bon, franchement, je regrette pas. C'est quand même un truc un peu particulier, mais ça avait le coup. Ce jeu est un phishing. Ça ressemble à un hameçon. On a tout utilisé, tout ce qu'on avait. Est-ce qu'on peut faire un texto avec Pou, Anguille, Hippocampe? Je crois pas, hein. On va regarder, mais... J'adore cette musique. Pou, Anguille, Hippocampe. Pou, Anguille, Hippocampe. Pou, Anguille, Hippocampe. Ah bah ils sont pas. Ok, bon, ça sert à rien. On va n'importe quoi, on s'en fout. Alors, moi je suis la boss ce soir. J'ai dit à Marcus. Heure sup, pas de discussion. C'est vrai que... Il y avait quoi faire des heures sup. Alors, il y a un mécanisme qui m'échappe ici. Il y a trois petits poissons. Visiblement, on a le code. Pou, anguille, hippocampe. Simplement, on sait pas. Il faut ramener les deux autres TV poissons. Ah ouais? Ah oui, mais je peux pas le prendre ça, il m'en empêche. Thank you.
On va lui pourrir la vie à lui. Ah, lui faire croire qu'il a pêché une chaussure. Il a une petite... Il y a un petit indice. Alors, je prends la TV poisson. Je ne peux pas. Trois petits poissons pendus au bout de l'hameçon. Remonte la télé sur l'hameçon. Voilà, regardez, il est remonté. Remonte la télé sur l'hameçon. Ok, on va essayer. Je peux plus l'attraper. Est-ce que je pourrais remonter sa canne à pêche? Faut que j'arrive à mettre une chaussure là dans ce truc là. Là, il y a rien à faire pour le moment. Ça devrait allumer. Genre, il a peur du noir et ça devrait allumer quelque chose quoi. Bonne nuit mes boursouris. Sur tourné, ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. En tout cas, vraiment les amis, je vois qu'on est toujours le même nombre depuis le début et ça fait plaisir de voir que vous n'avez pas lâché l'affaire. C'est cool, vous n'êtes pas très nombreux mais bien motivés et franchement ça fait plaisir de voir que voilà, jusqu'au bout vous m'aurez aidé dans cette entreprise assez incroyable. Est-ce que je peux tirer sur la canne à pêche pour remonter le truc? Je pense pas, il va m'avoir empêché. Est-ce que je peux pas aller à droite sous l'eau? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, si tu tires sur sa canne à pêche... Hey, salut. Hey, t'as du poisson. Ah, voilà. Merci. Et on va rajouter l'autre télé, peut-être. Comme ça, on verra si on peut aller à droite sous l'eau. Mais je n'y crois pas trop. Non, on ne peut pas. Est-ce que je peux récupérer cette télé? Non. Ah, je vais lui dire... Ah, je sais, je vais lui dire de remonter du poisson. Maintenant qu'il est, je l'ai appâté, je lui fais croire qu'il y avait du poisson. Il va tirer et il va se faire, il va tomber dans l'eau à cause de l'encre. Eh, regarde, t'as du poisson. Voilà. Oh, on est malin, les amis. On est malin. Voilà, pendant qu'il essaie de remonter, je pique les télés. Très bien. Allez, hop. Celle-là aussi. Ah, je l'ai bien roulé. Ok, bravo. Oh là là, on est fort, on est fort. Allez, on finit ça et on va se coucher. allons mettre tous ces petits poissons ici. Voilà. Et un dernier. Alors, nous avions donc un pou sur la première télé. Ah, je l'ai raté. Voilà, une anguille, je crois, sur la deuxième. Et l'hippocampe, c'était sur la troisième. Voilà! Ah non, il change mon truc. Voilà! Le pou en haut. Le pou en haut. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, leur position était... Comme ça, ouais, ouais, tout à fait. Voilà, c'était ça. Va tirer sur l'interrupteur, genre là. Je vais me le prendre sur Switch pour 1,99€, ça va pas me ruiner. Ah, il est à 1,99€ sur Switch, parfait. Alors, attendez, revérifions. L'anguille en bas, le pou au-dessus de l'hippocampe à droite. Ok. Ah, tous les interrupteurs dans la grotte, dans la salle, dans le noir. Ok. L'anguille, le pou, l'hippocampe. On va vérifier que c'est bien ça. Je suis largué, j'ai hâte d'évaluation. Tout le monde, je crois que personne ne comprend ce jeu. Ok, on est d'accord que c'est bien mis tout ça. Bon, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il met sa petite cassette. Ça fait toujours plaisir. C'est pas ce que je voulais faire, mais... Voilà, on va aller à côté. Et on va voir si, effectivement, maintenant...
Je peux allumer la lumière maintenant que j'ai tout mis correctement. L'hippocampe en haut, le pouls à droite et le ver à gauche. Salut Sonic! Tu cours vite, mais t'arrives tard! Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression dans une BD avec plein d'interrogations, plein de points d'interrogation au-dessus de la tête. Oui, c'est vraiment ça. Tu pouvais pas récupérer son téléphone? Si, si, mais pourquoi faire du coup? Oui, j'ai eu le remake d'Alex Kidd qui va, c'est rigolo. C'était bien Alex Kidd. C'était avant Sonic, c'était la mascotte de Sega et un de leurs meilleurs jeux. On a vraiment mis ça dans l'ordre où ils étaient dans la grotte, hein, les amis, non? Un DSMS ou une décharge électrique dans l'aquarium. Ah oui, pas bête. Est-ce que c'était celui-là? Ah oui, pas bête. Essayons ça. Donc, requin, flèche droite, poisson, burger. Je crois que c'était celui-là, hein, qui faisait le... Requin, flèche droite, poisson, burger. Ah, faut que le mec donne de la bouffe au poisson. Mais t'avais raison, c'était l'autre code qui... comment? C'était l'autre code qui déclenchait l'anguille électrique. Et c'est ça qui nous faut, c'est l'électricité. Et donc, c'est le code qu'il y avait en dessous, sous l'eau. Mais, effectivement, on l'a déjà oublié. C'est pas celui-là. C'est celui qu'il y avait sous l'eau, hein, qui faisait l'anguille électrique. Vous voulez bien me noter celui-là? Crâne, pouce en bas, requin, caca. Crâne, pouce en bas, requin, caca. Et on va noter l'autre aussi, parce que je pense que c'est celui-là. Crâne, pouce en bas, requin, caca. Donc là, crabe, requin, photo, cœur. Crabe, requin, photo, cœur. Crabe, requin, photo, cœur. Allez, allez. Crabe, requin, photo, cœur. Camoulox. Crabe, requin, photo, cœur. J'adore. Crabe, requin, photo, cœur. Oui, je crois que c'est là. Ils ont fait un selfie et ça a envoyé de la décharge dans le truc. Merci les amis, merci Shadowin. Et voilà. Cette fois, il y a de l'électricité dans la grotte. Eh ben, on n'est pas trop de 130 cerveaux pour réussir à résoudre ces énigmes, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Et on n'est pas à la fin du premier chapitre, hein, les amis. C'est ça qui est fou, quand même. Ok. Vous allez voir que je vais pas pouvoir l'attraper tout de suite. Oh, la vache. Ah, peut-être je peux raccorder ça. Le petit sourire qu'il a eu, c'était génial. Et on va tirer ici. J'aime bien le sourire qu'il a quand il réussit un truc. Ah, parfait! Bon, ce serait abusé d'essayer de rentrer par là, mais... Eh ben voilà, les amis, eh ben... Bonne nuit, Nico Perron. Ah, Nico, je t'ai envoyé... Non, j'envoie demain les trucs. C'est toi qui as gagné la semaine dernière. T'as gagné deux semaines d'affilée. T'as gagné la boussole et tu as gagné la semaine d'avant. Et c'était l'anniversaire de ta chérie, Jess. Je vais lui faire un gros bisou. Je vous ai fait un petit mois tous deux. Je voulais aller à la poste ce matin, j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, j'irai demain, comme ça je ferai tous les paquets. Ça fera 3 semaines de cadeaux en retard. Mais ceux qui ont gagné ce soir, j'envoie le truc demain du coup. Et les autres, ceux de la semaine d'avant, j'envoie demain. Et ceux de la semaine d'avant aussi, j'envoie tout demain en fait. Tout par demain. Voilà, enfin. Ah, c'est compliqué d'aller à la poste, c'est chiant. J'essaie de faire en ligne, d'affranchir les paquets en ligne et c'est une galère, ça marche pas. Donc je suis obligé d'aller vraiment à la poste et c'est assez pénible.
faire la queue, avoir un masque. Ah, voilà. Eh ben, les amis, on va se quitter sur ce petit air musical. Franchement, bien mérité, on aura lutté hein, pour le gagner ce petit truc. Il s'est encore barré à côté. Ah, génial. C'est bien. Eh ben, on n'est encore pas à la fin du premier chapitre. On va quand même s'arrêter là. On a fait des heures sup, hein, puisque c'était des heures de bureau normalement. Et je vois que la suite va être encore n'importe quoi. Bah, peut-être qu'on reprendra un autre soir, tous ensemble, parce que c'était un vrai bonheur de jouer avec vous à ce jeu. C'était cool, donc ça s'appelle The Office Quest. Il est vraiment pas cher sur les portables et tout ça. Il est. Tout le monde attend le feu rouge. Tout le monde est coincé au feu rouge. Et on s'est bien marré, même s'il a vraiment fallu se gratter la tête parfois pour arriver à trouver certaines solutions. Mais c'était bien! C'était bien. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Que vous aurez envie de continuer chez vous, à la maison, pour voir un peu s'il y a d'autres énigmes. Et si on y arrive aussi quand on est tout seul et pas 130. mais voilà, vraiment bien. Bah voilà, ça fait vraiment un petit stream bien sympa, je trouve. Ah, mon ami, là, je t'ai joué de la musique, là, tu devrais pouvoir m'aider. Bon, voilà. Allez, on va s'arrêter là. C'est tentant de continuer, mais... On a du Last of Us sur la planche pour la semaine prochaine, donc on va passer un peu à autre chose. Après, je vous ai dit Harvey et Edna, un autre jeu d'aventure qui a l'air très sympa, avec des graphismes un peu à la Rick et Morty, et le truc un peu trash. J'aimerais bien le faire aussi. J'ai aussi récupéré Mortal Kombat avec les extensions. Voilà, on a des trucs à faire avant les vacances. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Voilà les amis, merci d'avoir été fidèles, d'avoir tenu le coup. Les 130, c'est pas les 300 des Spartiates, mais 130, c'est tout aussi bien. 130 cerveaux qui fonctionnent tous ensemble pour résoudre des énigmes à la con. Moi, franchement, c'est le genre de soirée qui me plaise. Passez une bonne nuit, les amis. On se retrouve jeudi prochain avec Last of Us Part 2. Enfin, on peut vous le montrer. Ça fait près d'un mois qu'on l'a et qu'on y joue. J'ai presque terminé, d'ailleurs. Je pense que je vais finir ce soir. Non, je vais aller regarder la conférence PlayStation et peut-être je vais encore jouer un peu ce soir. Voilà. Merci Dark Maul. T'es pas passé loin du meilleur pseudo. Reviens la semaine prochaine. Ça finira par payer. J'en suis sûr. Merci Rexis pour les tuyaux. Merci El Florusso d'avoir noté. Merci Arnaud Evangelis pour avoir si brillamment résolu ces énigmes qu'aucun autre cerveau humain n'arrive à résoudre. Merci Kiba pour les vannes et cette bonne soirée encore. Wikipédia aussi. Bonne nuit les amis. Bonne nuit Milly et bravo pour ton pseudo une fois de plus. Bonne nuit Lilith, bonne nuit Gwenokami, bonne nuit Hyde, bonne nuit Mixelda, bon Antoine, bonne nuit André, Alia, bonne nuit. Kiba, c'est déjà fait, Seb Meister, grand maître de la vanne devant l'éternel. À de multiples reprises, il faudrait voir les records, je pense qu'il y en a qui ont été nommés 2-3 fois depuis qu'on fait ça. Mad Squirrel, toujours en forme et qui fait toujours. Allez voir son Twitter, il fait toujours un petit résumé du stream. Toujours très drôle et très bien vu, ça. C'est un régal. Je te l'ai pas dit, mais je t'en remercie vraiment. Chaque fois que je vois tes tweets, ça me fait beaucoup rire et ça me fait très plaisir à chaque fois. Voilà. Vraiment, vous me faites plaisir autant que je vous fais plaisir, j'espère. En tout cas, vous me faites très plaisir, ça c'est clair. J'espère être à la hauteur. Parce que vraiment, vous me régalez, les amis, comme dirait Genius. C'est la famille. Voilà, en parlant de famille, je ne sais pas qui on host, mon Timmerfan, juste derrière. Je ne sais pas qui est en ligne ce soir. Je n'ai pas trop regardé. Mais on a sûrement des gens bien qui vont prendre le relais derrière. On aime plein de gens, en fait. Donc, à cette heure-là, Mister MV, ah bah oui, un classique. Un comment dire. Un génie, là, pour le coup, un vrai génie du stream. Le mec bien posé, qui fait toujours des trucs intéressants, qui est intéressant à regarder, intéressant à écouter. Un gars bien, quoi. Donc voilà, on vous laisse avec Mister MV. Bonne nuit les amis, soyez sages, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, dans un futur pas très rose, celui de Last of Us. Bon, tout. Bonne nuit les amis, ce sera moins bizarre que cette semaine. Allez, ciao, j'éteins, je vais me coucher, je vais regarder la conférence PlayStation. Bisous, ciao.